Oui. qui est donc un journaliste scientifique qui a étudié beaucoup la médecine parce qu'il était très malade et s'en est guéri. Et donc les médecines naturelles, hein, puisque ça s'appelle santé corps-esprit. Et donc il écrit beaucoup de choses hein, sur Internet. Hein. Il a écrit une lettre pour répondre à Macron suite à son intervention lundi. Oui, mais de toute façon, Macron, il sait absolument tout de ce qu'il est en train de faire. C'est la continuation du plan, tout simplement. Et il va lâcher du lest, il va reprendre plus serré. On le guide, on lui dit exactement comment il faut qu'il fasse. Et surtout, il croit que pour le moment, il a les pouvoirs de faire ce qu'il a énoncé. Il n'a aucun pouvoir pour le faire. Oui, L'ONU. mais n'empêche qu'il nous avait bien bridés, hein. On n'a pas pouvoir aller dans les grandes surfaces, dans les magasins, enfin, Ah etc., ben bien quoi. sûr. Mais l'ONU vient de faire passer, j'ai pas eu le temps de le lire, vient de faire passer quelque chose de très spécial par rapport au vaccin et n'a pas ne donne aucun comment dirais-je crédit à ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas du tout dans les normes de tout ce qui avait été prédit et donné depuis, je sais pas combien, depuis 1789. Et puis dans les droits de l'homme, enfin bon, etc. Donc là, je ne sais pas. Et puis il est annoncé des manifestations, donc dans la rue. Il y en a eu, hein, oui, il y en a eu. Oui, mais il va y en avoir d'autres. Il y en a eu. Et là, je viens de voir sur Internet, je recherchais des choses. Je suis tombée sur un médicament qui s'appelle l'ivermectine de l'Institut Pasteur, qui donne des résultats prometteurs, ça fait déjà presque un an, sur animaux. Et donc, en Inde, ils l'utilisent au nord de la Bolivie et ça marche. Et maintenant, on parle de ça. Ça m'inquiète beaucoup parce que l'OMS est tout à fait dans le plan pour pouvoir faire en sorte que les gens soient vaccinés et meurent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils prétendent? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ils sont exactement dans la ligne de mire en premier lieu. Bon, le directeur, on le connaît. Mais même l'OMS générale, quoi. Hein. Donc l'avenir va le dire, mais je pense que l'avenir va le dire très tôt maintenant, parce que la France s'est réveillée, mais il n'y a pas que la France. Hein. Ah ben ça c'était. Il faut savoir qu'à l'hôpital Lariboisière, le lendemain, 40% des soignants ont démissionné. Je sais pas comment ils vont se soigner. Bon, moi j'ai encore, je parlais encore avec quelqu'un là dans la résidence, et puis au bout d'un moment, il me dit, ben moi j'ai des problèmes de santé, etc. Entre parenthèses, je lui ai dit, ouh, voilà ma carte. J'ai expliqué. Mais il me dit, paraît-il que les hôpitaux sont pleins. Et dans le plus grand couloir, il paraît que, quand j'ai demandé à l'infirmière, on était quatre. Il y a la place pour 80 personnes, on était quatre. Ça veut dire quoi? Ils nous mentent, hein, il me dit. Ouais. Eh oui, mais il n'y a pas beaucoup d'essais actuellement. Hein, il y en a très peu, hein. De toute façon, tous les chiffres sont faux, tu le sais depuis le début. Il n'y en a jamais eu plus que chaque année, depuis 10 ans, de tout ce qui était avant, le diabète, le cholestérol, l'accident, etc. Donc cela, il Bon, tu n'existe sais, je plus. veux dire, il y a l'infirmière là que je vois qui elle a été vaccinée. Mais bon, elle s'est fait vacciner, moi je ne veux pas transmettre quelque chose aux autres, je le fais pour les autres, parce que je contacte beaucoup de personnes âgées. Mais bon, elle dit qu'il n'y a pas que pour ce vaccin-là. Elle m'a dit même ceux qui ont, pas du sucre dans le sang, mais un truc qui est très courant, là, Cholestérol? l'allégresse. Oui, cholestérol. Cholestérol. Elle dit, les laboratoires, ils baissent de plus en plus le taux maximum. Par exemple, c'était 1,5 avant, hein, au-dessus, De la norme. de la norme. Et maintenant, c'est baissé ensuite à 1,1. Et après, maintenant, c'est 0,5. Tout ça, c'est pour vendre des médicaments. Parce que comme ils font les prises de sang, les médecins, ils ont les résultats.
s'il y a plus que 0,5, médicament tout de suite, alors que c'est pas nécessaire. Ah, mais le plan est pourri. Moi, j'ai eu des clients qui avaient aussi des problèmes cholestérol, diabète. Hein, il y en avait une, je me rappelle, qu'elle avait 2,5 en permanence. J'en avais un qui avait 4 en permanence. Et avec la nutrition cellulaire, on a réglé le problème. Et les médecins ne voulaient pas arrêter parce qu'ils disaient, mais on n'a jamais vu ça. C'est pas possible que la nutrition puisse empêcher le diabète. Tu comprends? Est confrontée parce qu'elle était tout d'un coup à malaise, enfin aux urgences, et puis ils font une piqûre, ça va mieux, elle avait très mal, et c'était en fait le foie, même pas le foie, la ville, la vésicule biliaire, hein. Il y avait des calculs, donc elle fait des examens, il y a des calculs, alors elle va chez son médecin, oui, la spécialiste tout de suite, vous allez, c'est grave ce que vous avez, tout de suite allez voir à l'hôpital spécialiste, elle y va avec tout son dossier. Elle s'assoit devant lui et un coup de téléphone. Il prend son téléphone, il se met debout pour sortir, pour parler sûrement. Elle lui tend ses papiers. Il me dit non, j'en ai pas besoin, c'est opération. D'accord. Dès que quelqu'un a un problème là, c'est opération tout de suite. Voilà. Alors elle est partie, et puis c'est pour opérer, elle est voir son médecin, elle a râlé après elle, c'était une femme. Elle lui a dit, mais c'était fou tout ce qu'on m'avait dit. Hein. Donc voilà, elle ne s'est pas fait opérer. Elle m'a dit, je suis toujours mon... J'ai toujours... Ça va, j'ai pas de problème. Bon, allez, on commence le sacrement parce que c'est autrement intéressant. Quand même, là, il faut qu'il y ait des choses qui se passent parce que là, ça va trop loin. Hein. Il faut que ça bouge. Hein. Il y a plein d'enfants qui ont été vaccinés, plein de gens, ils sont en côte des moutons, là, en train de se faire vacciner. Ah, tu crois que je suis pas au courant? Non, le pire, c'est les enfants, mais alors là, c'est l'extermination, effectivement. Mais ben, y a beaucoup de gens qui vont plus mettre, ils vont pas mettre leurs enfants à l'école, donc tu vois un peu le bins bizarre qu'on est en train de vivre. Allez, mes chéris, on commence ce sacrement véritable, j'ai mis... D'ailleurs, ils ont entendu tout ça, puisque j'avais démarré la narration. Et maintenant, c'est enregistré aussi sur le téléphone, puisque ça marche très bien maintenant. Le jeu de la carte est merveilleux, parce que chaque fois qu'une personne, je peux parler. Et c'est vrai que j'ai une facilité à parler. Je m'amuse avec les gens. Je suis dans la rue, je vois... N'importe quoi me permet de parler, d'accrocher, et puis après de demander quelque chose... Ça vous a plu le plan Macron ou vous êtes toujours inquiet ou vous commencez à sentir, enfin voilà, puis après ça y est, on peut démarrer sur la réalité, quoi. Et surtout le divin pour qu'ils comprennent, parce que la plupart du temps je rencontre des musulmans et il faut les enseigner, hein. Ils attendent le retour d'Aïssa, mais il faut les enseigner, savoir que ça a déjà été fait et que justement c'est parce que ça n'a pas été compris, apprécié, aimé que... On est dans l'état que l'on vit à l'heure actuelle. Alors bon, faut apporter de plus de débit à la source, mais ça va. À partir du moment où ils ont ma carte, ils rentrent dans Instagram, ils rentrent dans mon YouTube et ils ont tout ce qu'il leur faut. Et ceux qui me rappellent parce qu'il y a quelqu'un autour d'eux qui est malade, etc., ben, même des musulmans, ça prouve que... Parce que c'est un peu... vraiment tordu, il y a des choses incroyables. Par exemple, pendant le temps où ils font le Ramadan, tu ne peux pas, ils ne peuvent pas être bénis et guéris. Tu entends? Ah oui, moi je l'avais fait pendant le temps du Ramadan à plusieurs personnes, et je voulais le faire parce que je voyais dans quel état ils étaient. Et non, c'est le moment du Ramadan, on ne peut pas être guéri, il faut qu'on fasse tout avec Dieu. C'est lui qui nous a donné, alors voilà, c'est lui qui nous a donné la souffrance, c'est lui qui va nous l'enlever. Sauf qu'il l'enlève pas du tout, quoi. Hein. Bon, allez, voilà, c'est tout ça, c'est intéressant, mais il faut que ça se multiplie. Bah, oui, non, mais là, il faut que ça change, hein. On ne peut pas rester dans un monde pareil, hein. C'est fou. Mais hein. Trouve tes solutions toi-même, puisque tu es personnalisé. Mais on peut se soigner, c'est ce qui soigne le plus facile. Il suffit de mettre un spray spécial enfin dans l'œil, plus dans la gorge, et c'est tout. Après, c'est un rhume, ça va se... Ah oui, non mais c'est... Naturelles. Mais je vais demander à Catherine Talbot qu'elle t'envoie régulièrement. Ah oui,
tout ce qu'elle envoie. Comme ça, tu auras la substance de tout et tu verras que les choses avancent et avec des gens au très haut niveau. D'accord. Allez, dis-le bon, cet amour à Dieu. Mon Dieu, après tout ça, je viens de te dire tout mon amour pour que, en effet, le monde change. On voit bien, tout se dévoile, tout se, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la nourriture, dans tout ce qui est mauvais, c'est comme ça sans cesse, quand on est à l'écoute. Et donc, beaucoup de choses se dévoilent, ce qui est bon. Hein, peut-être ce qu'a dit Macron est bon, pour justement pour faire remuer les choses, je ne sais pas. Enfin, ça fait quand même remuer. Donc, ça doit être ce qu'il fallait. Mais il faut qu'il change, par contre. Eh bien, mon Dieu, j'aime ainsi être avec toi. Il faut que ça donne le goût, l'envie de se transformer et d'acquérir les qualités qui vont nous permettre aussi d'être différents, de savoir porter fruit. Comme disait tout à l'heure Alexandre, hein, qu'as-tu fait pour transformer le monde, hein? Voilà, donc c'est vraiment ces actes qu'il nous faut produire qui vont éveiller, qui vont donner le goût de ta présence et surtout le besoin nous-mêmes, moi-même, de ta présence, mon Dieu, que ce soit vraiment ce qui domine en moi. C'est vrai que je suis aussi dans la perturbation du monde et il ne faut pas que je garde ça en moi. Bon, je m'enlève tout le temps, mais je veux dire que c'est vrai qu'il faut tenir la barre bien haute et puis vraiment faire les bons choix pour apporter du bonheur partout autour de nous et d'empêcher tous ces drames avec des gens qui sont dans l'inconscient des raisons, de ce qui se passe vraiment, voilà, de ce qu'est le virus, de ce qu'est le vaccin surtout. Le virus n'est pas méchant, c'est le vaccin. Donc il faut que ça se dévoile, il faut que ça se dise de plus en plus. Très très fort maintenant, il est grand temps pour pas que les enfants soient vaccinés. Moi, ça me fait une horreur folle. Hein. Alors j'aime aussi, mon Dieu, que tu puisses être là par moi aussi, moi qui veux être un peu vindicative verbalement, mais il faut que je sois en acte. Et bien, je dis tout mon amour pour parvenir à cela. Alors, amour Marie, on sait ton but, on sait ton désir, et bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi de ta part. C'est vrai que pour te manifester, il faut quand même qu'il y ait une écoute sur Terre. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. Ça ne doit pas être évident quand même. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait des événements. Alors, c'est dit Marie, quel que soit l'événement, il faut un événement qui bouscule tout et transforme tout par la conscience, par ce qui va s'éveiller ainsi dans les hommes. Amour à toi, Marie. Amour, ma Thérèse. Sois toujours merveilleuse. Toujours en pleine activité, en pleine action. Et bien, tu vois, ma Thérèse, on a de quoi faire. Hein. Que ce soit toi, que ce soit nous, bien, on est liés, on est ensemble et on va produire ensemble. Tu dis tout mon amour, Thérèse. Amour, mon Willy. Alors, toi, je sais que tu aimes être sur la terre. Tu aimes être encore avec nous. Tu es de nos générations, enfin, plus proche, tout au moins. Et donc, forcément, tu as envie de nous aider. Tu as envie d'être avec nous aussi. Et donc, on a besoin de toi. On a besoin de ton aide. Donc, je cherche à avoir ton aide pour beaucoup de choses. Amour à toi, mon Willy, car je te dis toute ma tendresse. Amour, ma Jeanne. Je ne veux pas te parler d'état du monde, parce que toi, tu es dans ce bonheur de t'apporter ton rayonnement, ton amour. Je te sens toute merveilleuse, toute gentille, tout amour. Donc, comme tu on n'a pas envie de te toucher pour te dire quelque chose de négatif. C'est tellement merveilleuse. Amour à toi. Et puis, c'est ton rayonnement, c'est ton amour dont on a besoin qu'on te donne et que je te donne. Amour à toi, de tout mon cœur, je t'aime. Amour Geneviève. Amour aussi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Et donc, tu es au courant de certaines choses, mais toi, ton but, c'est aussi de donner ce que tu as connu, ce que tu as vécu, le transformer, hein, pour avoir besoin d'aller vers les autres. Et bien, tu vois, tu as de quoi faire. Hein. On a tous ensemble de quoi faire pour aller vers les autres. Et donc, et bien, écoute, je vais te mettre avec moi pour que tu m'aides également. Amour à toi. Amour Jacqueline. Et bien, moi aussi, je vais être avec toi pour que tu m'aides dans les actes. Ça me manque. Dans les actes de cette production d'amour, de cette production de la vie, pour que vraiment il y ait quelque chose qui se déclenche dans le positif, mais très très fort et très vite,
pour empêcher toutes ces hécatombes. Alors j'ai dit tout mon amour pour être avec toi. Je sais, je t'ai prié en félicité, que le bonheur soit sur la terre. C'est merveilleux de t'avoir comme ça. Amour à toi. Amour, mon René. Ah, tu serais sur la terre, je pense que tu t'activerais. Hein. Mmh. Alors donc, je t'active déjà maintenant, donc c'est très bien. Et j'aime être avec toi pour que chante la vie, chante le bonheur, chante toute cette tendresse, cette réalité de ce que tu aimes, et plus que la tendresse, l'énergie, la force, la puissance, l'action, vidéo, vouloir vraiment accomplir de toutes tes forces, de toute ton énergie. Ça, je m'en souviens de toi, comme cela sur la terre. Donc, ce que tu voulais, il fallait l'obtenir de toute façon. Alors, comme avait dit Geneviève une fois avec René, soit les disciples font tous des miracles, soit ils en vont. Tellement c'était puissant. Alors, donc, cette puissance-là, eh bien, voilà, il faut l'avoir, en avoir aussi pour qu'on puisse vaincre tout ce qui est négatif. Amour à toi, amour à vous sur la communion, et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre. Et au monde entier, pour que le monde entier entende la réalité. Amour Marie-France pour cette expression. Bon, mon Dieu, j'ai vu encore ta puissance, j'ai vu ton amour dans une situation inextricable où les personnes avaient plus de haine que tout le restant. Je ne l'ai pas fait pour chaque personne, ce n'était pas possible parce qu'elles n'étaient pas au même endroit. Et par contre, je l'ai fait chez moi. Et à la personne la plus souffrante, la plus triste, la plus malheureuse, j'ai fait en sorte de pouvoir lui parler déjà, et puis ensuite de l'entendre me parler pour qu'elle me dise le problème, de quoi ça vient. Et puis là, je me suis rendu compte qu'on est remonté à des années en arrière, même plus loin encore, jusqu'à la petite enfance. Et donc après, j'ai reparlé. Je leur ai reparlé et c'était tellement, je vous dis, inextricable que je disais, pour arriver à faire ça, parce que c'était de la famille en plus, c'était très très spécial. Donc j'ai continué comme ça jusqu'au moment où moi je me suis senti tellement dans l'harmonie avec toi, mon chéri, et puis j'avais compris. J'avais compris, et c'est vrai que quand on a la connaissance de quelqu'un, on peut dire qu'on l'aime. Parce que si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas l'aimer, c'est pas possible. Et là, je les ai tous reconnus, réappréciés en même temps. Donc, alors c'était bien pour moi. Mais déjà, par ce qu'on m'a envoyé comme SMS, il s'était passé des choses. Et quand j'ai pu rencontrer les personnes ensemble, tout était complètement changé. Ça riait ensemble, ça se pardonnait mutuellement. En fait, c'était vraiment extraordinaire. Tout ça pour dire que, à partir du moment où on connaît tous les problèmes, effectivement, à l'heure actuelle sur le monde, on peut faire cette chose-là. Ça, c'est un acte très puissant. Et puis, tu aimes ça. Tu aimes qu'on se serve des éléments que l'on a et qu'on voit les résultats que l'on produit. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans certaines assemblées, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir peut-être parler directement à l'ONU, mais on peut tout faire par l'esprit, tout faire avec toi. Et ça nous apprend à se rendre compte que oui, un seul homme, et tu sauvais la ville. Maintenant, tu as beaucoup qui se posent des questions et d'autres qui sont très dynamique et qui veulent vraiment les choses. Donc, on va de plus en plus les nourrir. Et ce que je suis en train de dire à Dieu, mes chéris qui allez m'entendre, ensuite, amusez-vous carrément avec ça. Dieu, il est ludique, hein, et lui, il ne souffre pas de notre souffrance. Hein. Il l'anime et ça le gêne. Il aime pas animer notre souffrance en nous. Et d'ailleurs, quand vous souffrez, vous pouvez très bien parler avec lui, peut-être parler même
avec Jeanne pour recevoir toute sa tendresse, parce qu'elle, obligatoirement, elle fusionne avec son époux, et à tous les deux, ils vous régénéreront, je vous assure. Amour, ma Marie. Alors oui, toi, tu as mis 2000 ans pour arriver à qui tu es, donc je comprends tout à fait que tu es tellement apprécié, tu es prié, tu as tant de choses qui sont pour toi que effectivement tu peux être la plus facile pour pouvoir apporter la lumière, ta présence et toucher les cœurs par l'amour infini que tu es. Donc moi je n'attends pas, parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'on doit faire, puisqu'on a aussi les pouvoirs. Je simplement, avec toi, dans le plaisir d'être en action de cœur, bien entendu, tout le restant est inutile, ça se fait déjà le restant, j'aime que tu te manifestes en moi, toujours. Je t'aime. Amour, ma Thérèse, oui, toi, on sait que tu peux ruer dans les brancards et je suis certain que tu es en train de le faire déjà. Parce que, bon, il y a eu un moment où on voyait que le monde était endormi, là il est réveillé. C'est évident, il était réveillé, tout ce qui est écrit, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et puis je pense qu'effectivement, c'est pas par hasard que le clou a été enfoncé, tu as dû y être pour quelque chose. Comme ça, le réveil est absolu et ceux qui ont pris le pied dans le clou, ou le clou dans le pied plutôt, obligatoirement, ils comprennent que tout est de travers, il y a quelque chose à faire. Quoi? Je pense qu'ils ne savent pas trop, mais toi, tu vas insister. Je t'aime, ma chérie, on est vraiment dans l'action et non plus dans le fait de dire, bon, de toute façon, Dieu est tout-puissant, il va finir par faire les choses. Oui, bien sûr, avec nous, parce que ceux qui ont créé ce désarroi, on les connaît, c'est nous-mêmes. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Tu t'attendais peut-être pas à ça, hein? Parce que le futur, on ne le connaît pas, hein? Et on ne le connaît même pas aujourd'hui. On peut l'espérer, on peut faire des plans, on peut. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On ne le sait pas. Comme on ne sait pas plus dans 1000 ans, puisque nous serons éternels, ce que nous ferons, ce que nous vivrons, comment nous aimerons, etc. Donc le futur, moi, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, le présent, parce qu'il est vide, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte de pouvoir le remplir? Moi, j'adore cet état du néant. Il n'y a rien dedans, mais je suis là. Et si je suis là, ben, je peux produire ce que j'aime. Et comme j'aime des êtres, comme vous, comme toi, ben, obligatoirement, avec vous, je peux apprendre. Et je sens que j'apprends, comme je ne l'ai jamais fait. Amour, ma Jeanne. Alors, je t'ai vu intervenir. Et c'est vrai, avec cette facilité de demander à ce que tu ailles voir ton époux, ou que tu fusionnes pour nous, et donc ce qui n'était pas, ce qui semblait impossible à réaliser, se réalise. Donc tu es en action par ton cœur, par ton âme, par ta présence. Et c'est tellement doux de voir ce que tu peux faire, que le mal se transforme en bien. Et c'est bien ce qu'on doit faire nous aussi. Amour, ma Geneviève, je t'aime, ma chérie. Amour, Marie, j'aime cette douceur que tu apportes et que tu apportes en Geneviève, en Jacqueline, parce que c'est évident qu'ils fusionnent avec toi. Et que certainement que ce que tu veux produire sur la terre, c'est en train de les remplir. Je le ressens comme ça. Donc, amour, ma Jacqueline, je t'aime. Amour, René, toi aussi, tu dois être nimbé de cette lumière, nimbé de cette tendresse. Et si je peux vivre des choses, moi, qui étais créature humaine sur la terre, et qui n'avais jamais fait les chemins pour parvenir à ce que je ressens, tu dois être dans les premiers feux, toi aussi. Donc, on s'aime.
Et j'aime qu'on participe, bien sûr, mais qu'on fusionne. On fusionne pour n'être que cet état d'amour avec la puissance de l'amour. Amour, mon chéri. Amour à vous qui êtes là. Et amour à tous ceux qui vont entendre. Vous êtes de plus en plus fervents, de plus en plus prêts, puisque les questions que vous me posez et les sentiments que vous nommez, ce qui n'était pas du tout au début, hein. C'était juste que vous aimiez la photo, que vous aimiez le texte, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Maintenant, vous rentrez dedans et vous me parlez de ce que vous avez ressenti. Amour, mes chéris. À très vite, hein, puisque vous allez tout entendre ensuite, hein, dès cet après-midi. Amour Roland, viens être moi votre Dieu, celui qui vous chérit, qui vous aime, qui vous donne toutes les possibilités pour réagir en constructeur, en créateur. C'est bien cela ce que je veux. Je vous veux à mon image. Je suis le créateur, je suis l'énergie d'amour, alors vous avez à puiser en moi pour devenir à votre tour une énergie d'amour, un être d'amour. Donc j'aime aussi qu'il y ait ce besoin en vous-même, ce besoin d'une énergie, et là vous allez pouvoir en manifester, vous en avez l'occasion. Manifester une énergie, mais d'amour, uniquement d'amour, pour que votre volonté se joigne à la mienne. Que nous soyons vraiment unis dans cette action, dans ces réactions que vous devez avoir. Il faut y mettre de l'amour, de la vie. Montrer que là ne compte que l'amour. Tout le reste sera balayé. Alors aimez. Aimez entendre et comprendre l'urgence justement de ces réactions. Vous êtes confronté à la mort, vous êtes confronté à la maladie, vous êtes confronté à beaucoup de choses, alors que beaucoup de choses n'existent pas vraiment. Donc, il y a vraiment à la base des puissances qui agissent, qui font. C'est négatif. Et pour certains, vous ne savez pas. Je veux que là, il y ait cette conscience en vous. Que cela réveille en vous le besoin de la perfection, le besoin du bien, le besoin de l'amour, de la réalité, pour ne pas accepter les morts, les malades, les souffrances. Je veux vraiment comprendre que c'est avec moi, moi l'amour, que vous pouvez ainsi régénérer toute votre terre, tout votre univers à vous-même, votre corps, votre esprit. C'est cela qui doit être fait. Pour comprendre que vos pensées doivent être orientées uniquement vers l'amour, vers la vie, vers la réalité, pour que se dessine en vous ce besoin de ne plus ainsi réagir les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, dans le besoin de transmettre le bonheur, la vie, la compréhension des réactions à avoir, des pensées à avoir, et surtout, de ce lien avec moi. Vous avez l'aide de Marie, l'aide de Thérèse, l'aide de Willy, l'aide du foyer, qui est donc Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René. Ils sont là pour vous. Ils ne sont plus sur la terre, mais ils sont là pour vous aider. Alors, je dirais, utilisez-les, aimez-les surtout. Voulez vraiment ces échanges avec vos familles qui sont parties de la terre, pour que ce lien qui existe maintenant, je l'ai créé ce lien, c'est tout naturel de parler avec vos défunts, de les entendre, de vouloir réagir, pour continuer à les aimer et à les aider. Ils ont besoin de votre amour, ils ont besoin de votre aide. Pour cela, il faut déjà sur la terre que vous soyez en harmonie et que vous vouliez vraiment vous donner les moyens de transformer votre monde. C'est urgent, vous le voyez. Donc j'aime ainsi que cela soit une réalité. Mais c'est à vous de faire. Moi, j'aurai forcément des choses à faire, je dirais. Et je fais, j'agis. J'ai fait toute une œuvre. Maintenant, il y a des choses complémentaires que je peux apporter. Mais je ne ferai pas tout. C'est à vous à construire votre monde. C'est à vous à dessiner ce monde de l'amour, à le révéler. Moi, je l'ai créé. Il faut le révéler. Et pour le révéler, il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de l'esprit, à l'écoute du cœur, à l'écoute de l'amour. Car ce sont ces ondes-là qui vous parviennent, qui vont forcément enlever vos blessures et vous donner le goût d'aimer. Amour, mon chéri. Attendez, je finis le dernier mot. Je viens de dire
Je suis votre Dieu. Je ne suis pas le Dieu universel. Je ne suis pas le Dieu inconnu. Je suis ton Dieu. Déjà, par ta naissance, tu es unique, tu le sais. Mais ensuite, je te constitue de ce que tu es, de ce que tu as fait comme choix, les goûts que tu t'es donnés. Donc je suis aussi unique en toi déjà pour toute ton existence. Et tu imagines bien qu'ensuite encore, tu seras toujours constitué de moi, mais par ta volonté de cœur, par tes sentiments. Enfin, le futur, tu ne le connais pas vraiment, mais tu sais qu'il est obligatoirement merveilleux. Si tu parles effectivement à tes parents, que tu les entends ou que tu les reçois par écriture, ils ne peuvent que te dire qu'ils sont heureux. Jamais ils ne te diront qu'ils souffrent. Jamais ils ne te diront qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est impossible. Parce que déjà, s'il n'y a pas très longtemps qu'ils sont partis de la Terre, ils étaient dans leur seconde matrice. Et leur seconde matrice, c'est celle qui est définitive. Alors bien sûr qu'après ils prendront tous les stades de l'esprit, de l'être de lumière, mais ce qui était le pas le plus important, c'est d'être dans la seconde matrice. Et j'ai fait en sorte, tu le sais, que tu y es. Tu as la chance d'avoir sur ce sacrement une personne qui est née en étant déjà dans sa seconde matrice. Bien sûr, c'était mes enfants directs. Tu pourrais parler avec eux, tu te rendrais compte que ils ne sont pas classiques, ils ne sont pas courants, ni les uns, ni les autres, mais complètement différents. Parce que je ne refais jamais les mêmes choses, et je vous l'ai déjà dit, c'était les bases de ma cité. Il fallait qu'il y ait des vivants. J'en avais créé d'une manière complètement artificielle au départ, particulièrement un, Willy. Ensuite, il m'en fallait en chair et en os, qui puisse réagir, se tromper, être libre, comme tu ne le sauras jamais. Il leur fallait une liberté totale. Ils pouvaient m'admirer, c'est certain, puisqu'ils me voyaient agir, ils voyaient que tout ce qui se passait à la préfète était toujours pour le bien, était toujours des transformations exceptionnelles pour ceux qui étaient venus vers moi, mais ils étaient libres. Ils n'étaient pas obligés de prendre cela à leur compte. Alors ils ont agi, ils ont fait de belles choses, de bonnes choses, mais bien trop petites à mon goût, parce qu'ils étaient vraiment les clés de mon royaume. Ils étaient les clés de la cité. Rien que la substance qu'ils avaient en eux, tellement différente les uns des autres, était vraiment le pouvoir qui devait arriver sur le monde. J'aime en cet instant me manifester en toi. J'aime beaucoup, tu vois, que cet homme ne soit plus celui qui réfléchit. Il aime le verbe, mais c'est plus le verbe qui l'intéresse. C'est ma présence. Il ne sait même pas ce que je vais dire ensuite. Il ne sait même pas si tout à coup il va plus se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Pour la bonne raison que ma présence suffit, lui suffit. Et je veux parvenir sur ce monde à ce qu'il soit peut-être le premier à n'avoir besoin que de moi. Que de moi, tout le temps. Il a appris beaucoup de choses pour ne pas faire de sottises, pour bien faire les choses dans son existence. C'était ce qu'il fallait en même temps, parce que c'est très dangereux d'être sur la Terre. Il y a des voitures, il y a des avions, il y a des trains, il y a d'autres personnes. Donc l'important, c'est de pouvoir m'avoir moi, en permanence, tout le temps. Alors c'est vrai que si vraiment tu vas y parvenir, c'est que certains de mes disciples ont voulu cela, à des niveaux différents, puisqu'ils sont tous différents eux aussi. C'est ta force. C'est une création que j'ai voulu, que je n'ai pas engendrée totalement, puisque toi aussi tu es libre. Et c'est quelque chose que tu dois arriver à comprendre, que rien d'autre n'est libre sur la terre. Et je te dirais que rien d'autre dans mon univers n'est libre non plus. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucune galaxie, il n'y a aucune étoile, il n'y a aucun ver de terre qui a la capacité de devenir un être. Même les beaux animaux, les lions, les aigles, non, ce sont des choses,
je t'ai dit, pour me mettre à ta portée, ce sont des logiciels que j'ai engendrés et qui fonctionnent comme ils doivent fonctionner. Alors, bien sûr, tout est surprenant. Parce que ton chien te donne des leçons quelquefois, parce qu'il te surprend. Mais mes logiciels sont à la mesure de ce que je suis, l'être, le Tout-Puissant. Les tiens deviennent de plus en plus précieux pour ton monde, si tu veux agir dans le bon sens. Mais ce n'est encore que des chiffres. Si tu t'y connais un peu, tu démarres de quoi? Du 1 et du 0, et tout le restant. Pourquoi tu ne prends pas tous les chiffres de ceux qui sont infinis? Comme par rapport au cercle, son diamètre, sa circonférence. Pourquoi ce 3, 14, 116 ne se réduit jamais à un moment, à arriver au zéro et rester sur le zéro? Parce que je suis l'infini. Et des mathématiciens, je t'assure, ça les a empêchés de dormir. Parce qu'ils veulent toujours avoir une fin à un moment, que ça puisse être compréhensible pour tous. Et non. Quand tu parles d'infini, tu parles de moi. Et là, tu ne peux pas te faire comprendre par tous. Il faut que tu aies un peu plus ma présence pour que je te donne plus encore. Et je veux cela. Quel père a pas rêvé que son enfant puisse toujours être dans l'appréhension du nouveau? Toujours plus haut, toujours plus grand. Il y en a qui ont cherché ça. Je les poussais dans cette voie. Mais arrivaient des moments où ils étaient obligatoirement bloqués. Il y a des académies qui ont dit certaines choses. Comme effectivement, dans l'univers, il y a une intelligence qui nous échappe. À cela aussi, ils ont un petit peu braqué certaines autres personnes. Et pourtant, c'était la vérité. Je suis effectivement l'intelligence absolue. Je ne suis même pas l'intelligence du cœur pour cela. Je suis obligatoirement celui qui est l'esprit. Et je veux t'apprendre à devenir un esprit. Tu as vu encore ce qui se passe sur ta terre? Je n'entends personne qui dit « on va se grouper, on va prier ». C'est dommage de rester sur la prière, mais au moins ça. Et on va faire ce que faisaient les Indiens. On va empêcher la pluie. Ce n'est pas normal. Et si c'est normal? Vous êtes tellement dans l'incompréhension, avec vos peurs, avec vos mauvaises recherches, qu'obligatoirement la terre, puisqu'elle est ta mère, et que la terre c'est ta pépinière d'âme, ben, obligatoirement elle est blessée, elle ne sait plus comment agir, elle est vraiment ton support. Elle doit maintenant recevoir le contraire, ton amour, le bien. Même quand tu cherches à faire quelque chose pour le climat, tu n'as pas remarqué que normalement tu devrais avoir un été brûlant. Tu sais que même la conséquence, c'est que les océans vont monter. Que d'erreurs qui ont été dites, toujours pour te faire peur. Plus tu as peur, plus tu es malléable. Alors arrête d'avoir peur. Ce n'est pas digne de la race humaine. Et ce n'est surtout pas digne de cette deuxième matrice que tu es. Sache que je t'aime. Personne ne peut enlever cet état. Je t'aime de toute ma tendresse, de toute la puissance de mon amour. Je t'aime puisque j'ai engendré des êtres qui t'aiment eux aussi, à leur manière, par leur disposition, par ce qu'ils aiment faire, toujours en pensant à toi, parce qu'ils étaient créés pour toi. Amour, mes chéris. Et moi aussi, Marie, je vous aime. J'ai besoin de transmettre mon amour pour qu'il vous touche, pour qu'il vous atteigne réellement. Que vous sentiez la ferveur de l'amour, cette nécessité absolue de réagir avec votre âme, votre cœur. Que l'esprit en vous ainsi s'anime aussi pour produire, pour être à l'écoute et savoir réagir dignement. Je suis le bien. Je suis une source de tendresse. Bien sûr, vous connaissez mon nom, mais certains me parlent, d'autres me prient, mais que connaissez-vous vraiment de moi? D'autres ne savent pas réellement me parler. Donc ils m'ignorent en fait, ils me connaissent de nom, de visage. Mais je suis un être éternel, un être d'amour, et j'ai besoin que là on me parle, qu'on me questionne, que je puisse répondre,
C'est ainsi qu'on va apprendre à s'aimer, à nommer ce que nous sommes chacun, à éprouver les besoins que vous avez. Moi, cela me donne du goût ainsi de te parler, de te répondre. Et j'aime ainsi que tu sois attentif à tout ce que je suis, car je produis sur la terre. Je produis depuis 2000 ans, je me suis bâti, je me suis formé. Je suis devenu cet être de lumière capable d'agir sur la terre entière. Je suis aussi en toi, ta mari, et je veux être ta mari. Alors comprends bien, pour cela, il faut ce dialogue conscient, généreux, sensible, d'une présence à une autre. C'est cela, il y a cela sur la terre, lorsque tu te sens aimé, il y a la réciprocité. Tu aimes ce lien d'amour qui se tisse. Eh bien, ce doit être la même chose avec moi. Pour que là, tu puisses m'entendre et me ressentir tel que je ne suis pas une image. Une image que longtemps tu as vue. Au certes, elle était toujours très belle, cette image, avec un visage pur, radieux. Mais je suis un être réel, un être d'amour. Je veux que tu en aies conscience pour vraiment que nous agissions ensemble. Tu ne peux plus faire n'importe quoi sur la terre. Tu vois bien, un pas de travers et tout de suite il y a une répercussion. Tu vois bien qu'il y a un changement total. Et donc il faut cette transformation. Il faut que tu acceptes de comprendre et d'entendre que tu as fait toi-même ce faux pas. Cela ne vient pas forcément des autres. C'est ton pas à toi qui est faux. Et donc forcément, tu en auras la conséquence immédiate. C'est bien ce que Dieu a voulu. Il veut enlever la liberté progressivement de mal faire. Donc il faut que ce soit déjà maintenant. Et c'est ce qui se fait. Et tu en prends conscience si tu veux vraiment l'écouter, entendre. Alors j'aime que tu ne rejettes pas la responsabilité aussi sur les autres et que tu comprennes que c'est toi, c'est ton cœur à toi qui doit agir. C'est ce que tu es toi-même qui doit réagir. Parce que c'est toi qui es conscient alors, c'est toi qui vis, c'est toi qui as mon écoute. Alors j'aime te dire alors combien nous allons nous aider. Faire vivre ainsi ces battements de cœur les uns aux autres pour qu'enfin triomphe l'aide. Triomphe le bien. Que tout ce qui est négatif forcément disparaisse automatiquement, puisque le bien domine. C'est lui qui est à la première place. Je veux que tu l'entendes, que tu le ressentes. Et que c'est là ce que tu dois accomplir de plus généreux en toi. Je suis là, je suis là. Mes chéris, je voudrais vous parler de quelque chose qu'il faut absolument qu'il disparaisse de votre terre. Vous dites, et on pense qu'on va vous aider en parlant comme ça, que vous devez vous aimer vous-même. C'est une ineptie, mes chéris. Essayez de vous arrêter un petit peu dans l'existence et dites-vous, voyons, je m'aime moi-même. Oui, j'ai des qualités. Oui, même j'ai des valeurs. Et est-ce que je peux aimer ma personne ? Vous rendrez vite compte que l'amour ne peut que produire de la tendresse pour quelqu'un qui fait que tu peux être aimé d'un autre ou d'une autre. Et tu peux être aimé d'un ou de plusieurs. Mais toi, tu ne peux pas. Dieu s'est engendré l'amour. Il n'a pas dit à partir de ce moment-là, je m'aimais moi-même. Et si lui ne l'a pas dit, si moi je ne l'ai jamais dit, tu ne peux pas le dire. Et au bout d'un moment, tu tournes en rond. Parce que c'est impossible, c'est une ineptie, c'est à l'encontre de la vie. Dieu t'a dit à un moment combien il aimait ta diversité. Bien sûr, il est en toi et il aime ce qu'il a fait en toi, ce qu'il a semé en toi, ce qui a pris véritablement l'apparence d'une flamme. Et tout ce que il vit en toi, c'est sa passion, c'est ce qu'il désire pour toi. Il t'a pas dit que tu t'aimes toi-même. Il t'a dit, je t'ai créé pour que tu sois un bonheur d'être pour l'éternité. S'aimer soi-même serait très réducteur pour l'éternité. Alors vous regarderiez vous-même.
Tout cela pour vous dire qu'il y a des choses effectivement que vous changiez. Et si vous les changez, c'est parce que vous aurez entendu autre chose et que vous êtes capable effectivement de pouvoir donner à d'autres ce que vous, vous avez compris. C'est tellement important. Les personnes ressentent de plus en plus que le bonheur, il est lorsque l'on a touché quelqu'un, lorsque l'on lui a apporté sa propre tendresse et lorsque c'est un ami pour toujours, en attendant que ça devienne un frère ou une sœur. Et cet état est très délicat. Il a beaucoup de substance, de la vie bien sûr, mais il amène obligatoirement à la conscience que si vous êtes tous frères, vous avez eu un père à la base. Et ce père vous a tellement aimé. Et c'est Dieu. Il vous a désiré depuis longtemps, les uns après les autres, 100 après 100, 1000, 1 million après 1 million, toujours avec le seul et merveilleux but de faire en sorte que tu deviennes un bonheur d'être, que tu puisses être passionné par le fait déjà d'exister et devenir effectivement tout ce qui va permettre que ta joie conquiert autre chose, que ton plaisir mais se transmette, parce que le plaisir est transmissible. Donc maintenant, nous sommes ensemble et tu vois, je ne te donne plus des avertissements, je ne te parle pas en te disant pardonne, prie beaucoup plus. Je veux vraiment, comme Dieu le fait, entrer en toi, te comprendre, te connaître, parce que c'est Dieu qui te constitue. Et c'est bien délicat de comprendre comment il te constitue, toi qui es unique déjà par ta naissance, mais en plus par cette manière de t'animer, de t'avoir conçu, de t'avoir permis de grandir, de devenir mature, peut-être d'avoir même un certain âge. Tu peux imaginer ce qu'un Dieu peut faire en toi et comment il est obligé de te chérir. Il t'a donné l'image à un moment que si tu ne voyais qu'une trace de pas, c'est qu'il ne marchait plus à côté de toi. Il te portait, et pour beaucoup. Combien il a fallu emporter? Et à l'heure actuelle, il emporte énormément. Alors, il essaye de les serrer très fort contre lui, mais ça ne suffit pas. La peur est trop grande, et la mort d'un proche est trop grande dans sa sensibilité. Mais il les porte encore, jusqu'au moment où il va avoir le bonheur de pouvoir les reposer par terre. Tu vois, tout ce qui est, à l'heure actuelle, quelque chose qui semble tellement dramatique, effectivement, peut te donner le besoin de ne plus jamais être indifférent. Face à moi, j'ai vraiment envie d'être chéri par toi, chéri en vérité, mais qu'il soit chéri lui aussi. Parce que c'est lui qui a engendré l'amour, c'est de lui dont tu as besoin avant tout. Et tout le restant viendra graviter autour de cet état. Moi, je le sais, ça a mis 2000 ans pour moi. Toi, ça va beaucoup plus vite. Et il t'a déjà rendu vivant. Il faut que tu t'en donnes les certitudes, que tu puisses faire des actes, donner des sentiments à quelqu'un, mais qui ne sont plus ceux d'une créature humaine, qui ne sont plus quelqu'un qui est pensé, mais qui pense par lui-même, qui aime par lui-même. Je vis cela, je le sais par lui, mais je veux effectivement que vous soyez ses présences. C'est tellement agréable une présence. Amour, mes chéris. Amour, ma Marie. Amour, Marie. Moi, Thérèse, j'aime m'enchanter de tout. Tout ce qui est productif, tout ce qui est beau, tout ce que j'anime en moi. Certes, j'anime ce que j'aime. Et j'aime forcément la beauté, la grandeur, l'infini. J'aime tout ce qui est riche, riche de lumière, riche d'amour, tout ce qui est beau, dans tous les domaines. Je vis dans ce bonheur, dans ce rayonnement, et moi, la joie est continue. Elle monte sans cesse en allégresse, parce que j'aime attirer ta présence. J'aime faire vivre mon amour en toi. Et comme Marie,
j'ai besoin que tu me parles, que tu m'aimes, que tu choisisses de m'entendre pour que nous puissions agir ensemble. C'est le naturel de l'amour, il faut au moins être deux. Et on peut multiplier les amours autant que l'on veut. Et moi, c'est ce que je fais. Je multiplie mes interventions. Je me donne partout sur la terre, là où il y a des demandes, je dirais, mais aussi, je me donne. Alors, qui me reçoit? Moi, j'envoie mes ondes d'amour. J'envoie tout mon bonheur à chacun pour toute la terre. Mais certes, tout le monde ne capte pas encore. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses. Me capter, me ressentir, être ce réceptacle qui accueille ma présence, qui goûte au plaisir d'avoir une présence de lumière en elle, une présence d'amour. Alors, j'aime. Que tu ressentes combien c'est précieux tout ce que tu vas faire dans ce sens. Parce que tu vas aider ton monde à cette métamorphose. Elle est nécessaire, absolument. Tu vois bien, tu es au pied du mur. Donc il te faut maintenant avancer, mais avancer avec l'amour. Maintenant, tu es au pied du mur, il te faut des ailes. Il te faut des ailes pour t'envoler dans ce monde de l'amour. Envoler dans cette réalité de la vie. Mais tu ne vas pas voler ainsi inutilement. Ce sera avec ton cœur, avec ta sensibilité, avec ton amour. Ainsi, tu seras dans ce bonheur, dans cette onde d'amour que représente Dieu. Et moi, j'aime. J'aime que tu ressentes cet amour pour lui. Parce que c'est lui que l'on doit aimer plus que tout. Et je veux que tu sois heureux, heureuse. D'entendre que si je t'aide, si je te parle, c'est aussi pour que tu ressentes en toi cette présence de Dieu. Alors la mienne, bien entendu, mais celle de Dieu, naturellement, puisque je suis aussi en Dieu. Alors tout se conjugue, tout se multiplie, et c'est cela qui est bien. Ce développement naturel, personnel, d'une réalité qui se fait, parce que tu fais enfin les bons choix. Tu écoutes en toi, et j'aime faire rayonner toutes les substances qui est la mienne. Elle est riche, ressens-la, vis-la, prends-la pleinement en toi, parce que moi je te l'offre. C'est ma générosité totale, je ne fais que cela, c'est ma nature. Et je suis la joie, le bonheur d'être, un bonheur d'être merveilleux, pour toi, avec une animation particulière, parce que nous sommes tous différents. Et donc forcément, je suis complémentaire, mais différente de Marie. Nous nous complétons merveilleusement, nous nous aimons comme vraiment de réelles sœurs. Alors, deviens ma sœur, deviens mon frère, j'aime la multiplication. Comment on prend l'ascenseur, mes chéris? Il faut d'abord appuyer sur le bouton, parce qu'il n'est peut-être pas à votre étage. Et puis surtout, pour rentrer, il faut ouvrir la porte. Vous n'êtes pas capable de passer à travers. Donc, vous ouvrez la porte et vous rentrez à l'intérieur. Et de nouveau, il faut appuyer sur le bouton. Alors, tu peux choisir le premier, le deuxième, le troisième, le dixième, suivant où tu es. Mais tu peux aussi choisir l'infini. Et ce serait tellement mieux que chaque fois que tu te rends compte que tu es dans l'ascenseur, que plus jamais tu penses le premier étage, le deuxième, le cinquième. Tout de suite l'infini. Willy peut en parler. C'est ce qui lui est arrivé lorsqu'il est parti de la Terre. Il a senti qu'il traversait l'infini pour finir où? Dans les bras de Dieu. Il a connu cette étreinte. Prends juste cet état. Veux effectivement. Il est bien l'ascenseur. Parce que les escaliers, vous les avez pris depuis longtemps. Mais l'ascenseur, c'est bien. Mais regarde, il y avait un bouton marqué infini. Ah, il y avait peut-être un papier dessus. Amour. Fallait passer par l'amour. Après, tu enlevais ce papier et dessous, il y avait Dieu. C'était d'abord l'amour de Dieu qui nous amenait à l'infini. Tu vas voir comme tout va commencer à s'ouvrir et en même temps se refermer en toi. C'est un secret. Dès que tu as une connaissance, c'est un secret qui vient se dessiner en toi. Et pour qu'il ne soit plus un secret, il faut le faire savoir. Il faut le donner. Il faut le proclamer. Tu ne fais pas assez. Moi, je le sais, hein, je te le dis. Moi, je fais tout ce que je peux, mais je suis limité par le fait de ce que j'ai été, comment j'ai été créé. Toi, non.
tu es sur la terre. Autant tu te frottes au mal et à l'indifférence, autant tu peux puiser en toi, en Dieu en toi, ou en moi, pour pouvoir faire en sorte que les trésors apparaissent. Et tu n'es pas limité dans les trésors. Tu as déjà vu l'image de cette corne d'abondance. Plus on prend dedans, plus il y en a. Mais c'est ce que tu es à l'heure actuelle. C'est le cadeau de Thérèse. Je veux que vous soyez de plus en plus tellement sensible que vous entendiez. Cela peut te donner la foi, mais Dieu t'a dit, je veux que tu aies le savoir. Si tu as le savoir, tu n'as même plus besoin de la foi. La confiance est liée obligatoirement et tu t'appuies sur ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est toi-même. C'est ce qu'il a réussi à pétrir en toi. Ce qu'il a réussi à te donner en substance tellement précieuse que tu es à même de pouvoir transmettre, de pouvoir le rayonner. Pas à un moment parce que tu t'es forcé, à tout moment parce que tu l'as en toi. Et puis que tu sais que c'est la vie qui doit se transmettre. Tu veux retransmettre de l'existence, avoir d'autres enfants? Tu fais bien ce que tu veux, mais moi je peux te le dire, c'est la vie qui doit se transmettre. Et la vie ne se transmet que par celui qui sait qu'il est vivant. Tu dois avoir la connaissance que tu es vivant. Comment? Parce que tu es capable maintenant de ressentir des éléments que tu ne ressentais pas il y a 10 ans. Ou plus. Donc c'est que un état a changé en toi. Et comme tu es conscient, tu sais que ce n'est pas toi qui l'as changé. Donc tu as reçu le cadeau. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant pour que tu puisses avoir ce cadeau de la vie. Si tu parlais avec un de ses enfants qui est sur cette communion, Alexandre, il pourrait te dire, lui, ce qu'il a reçu, la substance qu'il avait, pourquoi il pouvait s'exprimer d'une façon, les envies qui pouvaient effectivement faire que il était différent quand il parlait à quelqu'un, quand il voulait effectivement le bénir. Et tous les enfants directs de cette manifestation sont effectivement différents. Moi, je suis arrivé sur le monde pour que, justement, ils existent. Je ne le savais pas. On ne peut pas savoir. Quand Dieu a un projet, ce projet, il est tellement beau et infini que, pour le capter, c'est très délicat. Maintenant, je sais. Et aujourd'hui, je t'en parle. Et tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que je t'aime. Je ne peux pas faire autrement que de t'aimer. Parce que je vois, je vis Dieu en train de vous chérir. Et quand je sais, c'est gênant, que j'ai été créé pour vous, et que je vois que vous n'êtes pas encore à même de pouvoir prendre à bras le corps tout ce que vous avez comme éléments. Pas les éléments de la terre. Ils ont fait leur travail. Non, les éléments de la vie. Et ne les cherche pas dans l'autre. Ils te raviront effectivement quand eux vont se manifester. Mais prends-les en toi. C'est si beau. Et ils ne se résument pas. Ils sont véritablement une puissance en pleine expansion. Tu es devenu exponentiel. Ça te trouble? Eh bien, fais en sorte que ça ne te trouble plus. Que maintenant, tu n'aies plus crainte de l'infini. Que tu n'aies plus crainte de l'éternité. Par contre, aie crainte de la peur, aie crainte de ce qui te laisse limiter. Tu n'en as plus le droit, parce que tu n'en as plus les pouvoirs. C'est une ineptie, une anomalie. Ce n'est pas ton prénom, ce n'est pas ton nom, c'est quelqu'un d'autre. Alors fais ce que tu veux, va le noyer, fais tout ce que tu veux, mais celui-là, il doit disparaître. Parce que tu es autre maintenant. Dieu te l'a dit, quand il dit quelque chose, c'est que c'est absolu. À des millions de pourcents. Amour, mes chéris. Oh, Thérèse. Combien j'aime venir avec vous également pour vous. Je suis Willy. Moi aussi, je suis dans cette vie, dans cette éternité. Je suis une présence, un esprit, un peu être de lumière. Mais j'ai besoin aussi de ce développement. Mais j'aime. J'aime être avec toi. Venir chez toi, en toi, car j'aime venir sur la terre. J'y étais encore, il y a quand même quelques années, mais néanmoins, j'y étais. Le plus récent, c'était moi, bien après Thérèse.
et j'aime ainsi que tu ressentes, que là j'ai le souvenir de cette terre, que j'ai besoin qu'elle rayonne, j'ai besoin qu'elle soit belle, puisque moi je suis dans cette beauté, dans cet amour, j'ai besoin de vous le communiquer pour que vous y réagissiez ainsi, vous compreniez ce que je comprends, ce que je vis. Pour cela, il faut aussi me parler, aimer, me choisir, écouter ce que je représente, que peut-être tu découvriras merveilleusement en toi. Parce que je suis un être d'amour, je t'aime. C'est tout le naturel de l'être, tout le naturel de l'amour qui se diffuse par ma présence. J'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de m'animer en toi, pour ressentir que là, moi aussi, je m'élargis. Lorsque je viens t'aimer, c'est encore une personne de plus. C'est merveilleux. Toujours plus. Pour la terre entière. Voilà ce que je veux. Pouvoir me donner en chacun librement. Je le fais, certes. Je viens vers toi. Mais, m'entends-tu? Est-ce que vraiment tu es à l'écoute? Si tu ne veux pas ma présence, je ne m'impose pas. Et pourquoi est-ce que faut vouloir ma présence? De vouloir mon écoute, vouloir comprendre qui je suis, ce que j'ai fait. Déjà, ce goût d'aller toujours de l'avant pour comprendre toujours plus. Donc cette curiosité qui est merveilleuse pour produire de la vie. Et plus on avance dans ce domaine, plus il y a forcément des ouvertures qui se font, un naturel qui se fait et le ciel s'ouvre. À chaque fois, différemment. C'est toujours particulier. C'est ce qui est merveilleux. Regarde, si tu es un artiste, si tu veux faire une belle peinture, plus tu vas peindre, plus tu vas découvrir la richesse de la peinture, tu vas trouver des choses nouvelles, tu vas t'intéresser, tu vas évoluer. Si tu écris, plus tu vas avoir ainsi une belle écriture, plus cela va venir en toi. La richesse de l'écriture va s'épanouir en toi. Tu en as le goût, le besoin, parce que l'esprit se manifestera pour toi, puisque tu aimes. Eh bien, j'aime qu'il y ait cette production pour tout ce qui est beau, du bien, et qui va former ton âme, ton être vraiment, réel. Sois attentif à tout ce qui se fait, car c'est la beauté de l'amour qui doit vivre en toi. Il n'y a que cela peut te sortir des mauvais pas. Je suis une présence qui te chérit. Qui vient vers toi, et je suis un esprit, donc j'ai des pouvoirs merveilleux, utilise-les, prends-les, je te les donne, et j'aime agir pour que là tu sois heureux, heureuse, de comprendre ou de solutionner un problème, quel qu'il soit, je m'intéresse à tout, tout ce qui est toi-même, tout ce qui peut venir en toi, dont tu as besoin de comprendre la solution, j'aime ce que la vie se manifeste, et c'est pourquoi je te dis, amour à toi, je veux que tu le dire aussi, nous puissions nous le dire sans cesse. Amour à toi, également. Oui. Amour, Willy. Amour, Willy. Amour, mon Willy. Oui, j'ai entendu Thérèse qui relatait mon départ. C'est vrai que j'ai non pas oublié mon départ, mais la vie ensuite, dans sa plénitude, est tellement prodigieuse que c'est même difficile de revenir à son origine, et encore plus difficile de revenir à ce qui a été ma naissance sur la terre. Mais en fait, à part de rares personnes, qu'est-ce que les personnes se rappellent de leur naissance, alors que c'était tellement extraordinaire, tellement précieux, le fait de venir au jour, de pouvoir voir le soleil, de pouvoir voir la création, de pouvoir choisir, de pouvoir se sentir libre. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire, mais vous n'en aviez pas conscience à votre naissance. Et puis même quand vous étiez encore en train de babiller dans votre berceau, ça n'allait pas très loin. Qu'est-ce qui vous faisait réagir? Le sourire de votre maman, de votre papa? Des petites chatouilles? Vous vous rendez compte, quand Dieu engendre quelque chose, et c'était si particulier d'engendrer la race humaine, combien vous étiez à même de pouvoir rester pendant un moment juste ce qu'il fallait. Il fallait qu'on te nourrisse, il fallait qu'on te change. Tu n'étais pas capable de grand chose,
Mais en possibilité, c'était inouï. Et Dieu te constituait déjà, lui, avec tout ce qu'il avait comme projet pour toi. Donc tu n'étais pas obligé d'épouser. Mais il avait toute cette substance si nouvelle dans cette nouvelle enfant. Alors tu vas me dire, oui, mais il en a combien en même temps? C'est Dieu. Mais bien sûr, il peut avoir 1000 enfants en même temps, ou même 1 million d'enfants sur la terre en même temps, et ils seront tous différents. Il définit sa soif, sa passion, d'une manière différente en chacun. C'est pourquoi tout le monde est respectable. Et que tu dois finir par aimer cette création, cet enfant qui est né, fais comme lui. Fais comme si tu étais la mère de l'humanité. Et ne juge plus. Ça fait partie du passé, le jugement. Parce que regarde, comme à partir du moment où tu juges, oh, tu peux le développer, ce jugement. Tu peux parler longuement. Mais tu n'es pas dans l'ascenseur, là. Tu es dans l'escalier. Et à chaque étage, tu es en train de te dire, je continue de monter ou je redescends chercher autre chose. Ne dépasse pas le premier palier parce qu'après, c'est la cave. Fais en sorte de vouloir effectivement l'altitude. Et tu as entendu, l'altitude, elle est quand on le veut rapidement. Tu ne pouvais pas, tout petit. Mais à partir du moment où tu es adulte, tu peux effectivement changer les choses. Et tu as entendu maintenant et réentendu. Le présent s'offre comme le néant. Il n'y a rien dedans. Dieu, bien sûr, dans ta journée, va mettre certaines choses. Mais si ce n'est pas toi qui le décide, si ce n'est pas toi qui veux sa présence, c'est encore du préfabriqué. C'est encore la création humaine. C'est encore la terre qui est une pépinière d'âme à venir. On a besoin de toi, mon chéri. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire. Et je peux agir, c'est vrai, j'agis partout. Mais je peux te dire qu'ils étaient partis loin. Là, je m'en rends compte. Des choses qui étaient données depuis très très longtemps, qui ont pris leur place petit à petit pour des buts complètement malfaisants, mais qui, certains pensaient que ça allait leur servir. Et voyez l'erreur, Dieu est partout, il sait tout, donc obligatoirement, il t'attend. Il t'attend pour te manifester violemment. Ah, je ne te parle pas de violence physique, je ne te parle pas de violence verbale, je te parle de violence d'amour pour lui, puisque le but absolu, c'est qu'il n'y ait plus d'indifférence. Si toi, tu n'as plus d'indifférence du tout par rapport à lui, que c'est sa présence que tu veux tout le temps, obligatoirement, cela se transmettra. Et le monde a besoin de cela. Et quand tu diras les deux dernières phrases du Notre Père, tu sauras qu'elles sont vraies. Parce qu'il les a écrites pour qu'elles soient vraies. Tant que c'est encore une vue de l'esprit, ben c'est sa vue à lui. Tu dois épouser cela. Non seulement y croire, mais en avoir le savoir, parce que tu as vu les fruits. Je vous aime, mes chéris. en les protégeant. On vous demande qu'ils soient heureux. Donc n'aie pas peur.
choisis vraiment ce que Dieu te dit, ce que moi je peux te souffler également, car ce sera toujours des réalités, si vraiment tu l'entends de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu sauras alors que c'est juste ce que tu as entendu, et donc tu agiras ainsi. Et c'est comme cela que tu vas évoluer, non pas dans la peur, dans la crainte, non pas ainsi en suivant tout le monde qui fait de travers, mais en choisissant vraiment ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui va te donner ainsi dans un, en toi-même et autour de toi, un foyer d'amour. Que tu sois ainsi dans un vrai foyer, tu le ressens, que tu l'éprouves. Si tu as un époux, une femme, des enfants, veux que ce soit un vrai foyer d'amour. Donc n'aie aucune crainte, aucune peur. Choisis d'aimer, choisis l'amour, et tu verras combien la confiance sera en toi, et tu sauras avoir la pensée juste, et non pas ainsi de réagir contre ce qu'on te dit. Alors j'aime que la lumière se fasse, que la lumière vive profondément en toi. Mes chéris, je me présente présentement être tout à côté de vous. Je le fais, je vous assure, hein, dans les journées qui passent, je vais à côté de certaines personnes qui sont sensibles. Certaines, c'est parce qu'elles souffrent. Mais d'autres, c'est simplement parce que elles ont fait peut-être un beau travail sur elles-mêmes. Et là, maintenant, elles sont en train de se rendre compte qu'elles ont des fruits, que les choses changent dans leur famille. Ils ne savent pas quelquefois que c'est eux qui étaient en train de faire le contraire de ce qu'il fallait. Mais il suffit que quelqu'un dans la famille soit plus conscient, plus sensible, un peu plus près du divin, pour que les choses puissent effectivement changer, et que ce qui est important, c'est que les choses aient changé. Et que ça aille vers le bien, vers le contraire du jugement, vers tout ce qui peut faire que l'existence devient tellement désagréable. Alors ça se passe pour des personnes âgées facilement, mais pas pour toutes. Il y en a qui, au contraire, veulent avoir le sentiment que leur esprit peut rajeunir, même si leur corps leur montre une apparence qui n'est pas celle qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Non, non, ils ne l'acceptent pas. Et même, ils continuent peut-être de faire de la musique ou les travaux qu'ils aimaient, tout simplement parce que Dieu prête toujours l'énergie, donne toujours la substance qui est capable de pouvoir permettre à une personne de continuer si elle sentait qu'elle était en train de faire quelque chose de bien, même de créer d'elle-même une propre œuvre, sa propre œuvre, son soi-même. Vous avez entendu avec Willy, effectivement, tout ce qui peut se passer dès que vous naissez. Et c'est vrai qu'au début, moi je ne suis pas consciente, quand je suis né, de ce que j'étais. C'est arrivé, paraît-il, à d'autres. Mais c'est pas mon cas. Et puis, toute petite, on n'est pas beaucoup plus conscient. Il y a des choses qui se passent, c'est quand on commence à avoir une certaine autonomie. Donc la première autonomie, c'est quand nos parents lâchent nos mains et qu'on marche seul. Ça oui, je me souviens. Et puis même si on vous met un vélo entre les mains, sous les pieds, effectivement, peut-être que vous vous rendez compte que vous pouvez vous déplacer plus vite. Alors il y aura peut-être les petites roues à l'arrière pour faire en sorte que vous ne tombiez pas. Et puis il y a le moment où on t'enlève ces petites roues. Et là, tu as la notion de l'équilibre. Un équilibre qui ne se fait pas tout seul. Tu sens bien que c'est toi qui es en train de faire en sorte de rééquilibrer ton vélo. Et tu te rends compte de tout ce qu'il a fallu au départ. Quand tu vois un animal qui vient juste de naître, et la mère l'aide tout de suite à se lever, tout de suite, sur ses jambes fragiles. Et qu'est-ce qui se passe? Ces jambes fragiles deviennent tout de suite fortes. Ce sont des animaux. Donc Dieu pourrait tout faire. Il pourrait faire en sorte que nous puissions marcher presque en étant nourrissons. Il pourrait faire en sorte qu'on ait toute la compréhension de ce qu'il faut pour se construire.
Ça ne se fait pas comme ça. Dieu est subtil. Dieu fait en sorte que ce n'est pas lui qui va t'imposer quoi que ce soit, même si il a tellement de projets pour toi. C'est toi qui vas faire tes expériences. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas aimer. Mais tu n'en es pas obligé. Voilà où se trouve l'équilibre. Voilà où se trouve ta liberté. Maintenant, je sais tout ça. Et quand je reviens vers vous, je ne vous explique pas tout ce que vous entendez, mais je suis ainsi. Je ne peux pas te juger. Je sais la merveille que tu es dès ta naissance. Toutes les possibilités que tu vas commencer à appréhender. Et puis, l'adolescence. Ah, c'est le moment où il y a des choix qui sont ou négatifs, ou inintéressants, ou au contraire, aller vers bien plus de choses merveilleuses. Les arts, la spiritualité, la philosophie, revenir dans l'histoire pour comprendre et surtout se dire mais jamais plus, je ne veux pas moi connaître cela. Et s'il y en a un qui doit penser autrement, ça sera moi. Voilà les choix, les goûts. Ce qui fait que par moments, des hommes se sont dressés et effectivement, Dieu a pu les utiliser pour empêcher une guerre, pour arrêter une guerre, pour transformer les choses. Donc, alors, moi aussi, j'aime bien apporter toute ma tendresse. C'est un monde merveilleux, la vie. Une réalité, avoir des pouvoirs, des capacités, de se déplacer là où on veut, malgré qu'on n'ait pas de corps, mais parce que l'on vit, parce que l'on est, se mettre dans ce bonheur, dans cette joie de ce que l'on construit, de ce que l'on ressent. C'est un monde merveilleux. Je veux pouvoir vous en faire bénéficier. Pourquoi maintenant je m'investis dans ce besoin? Venir t'atteindre, te toucher, pour que là tu découvres à ton tour tes ressources, tes possibilités, que tu saches comprendre que là, par les pouvoirs du cœur et de l'esprit, tu peux faire tant de choses merveilleuses. Et déjà la première, mon être, façonner ton être, en aimant bien sûr, en aimant tes frères, en voulant cette fraternité sur la terre, en aimant Dieu par-dessus tout, en nous aimant. Et j'aime ainsi me sentir aimé de toi. C'est mon goût maintenant qui se développe ainsi. Sur la terre, j'étais plutôt ainsi, uniquement famille. Maintenant, j'aime m'étendre ainsi sur le monde de plus en plus. Alors, qui veut me parler? Qui veut m'entendre? Je suis la réponse à tout. À tout ce que tu veux savoir. Mais en plus, à t'aimer. Pour t'aimer. Oui. Ben oui, je suis plus courte parce que là... J'ai compris. Geneviève, ma chérie, j'aime que tu parles un peu. Je veux bien parler, mais je veux vous aimer. C'est tellement facile, dans un sacrement, de pouvoir vous atteindre. Et comme je ne peux pas vous atteindre autrement qu'avec mon amour, alors ma science, oui, mais elle vient tout de suite après. D'abord, s'aimer. C'est vraiment la création la plus délicate qui soit. Dieu s'est engendré amour. Moi, lorsque je recevais mes cidors, j'éprouvais son amour. Quelquefois, c'était presque dur d'écrire ce qu'il me faisait écrire. Mais quand il avait échoué et il le nommait à une fête, et qu'il fallait qu'il construise autre chose pour la fête suivante, j'étais bien obligé de laisser la plume courir. Et ensuite, j'éprouvais effectivement que son œuvre ne s'arrêtait pas pour cela. Quand dans Messidor il y avait l'action, il y a eu un moment où effectivement certains disciples ont essayé de donner d'eux-mêmes. Et Dieu me demandait de corriger pour que cela serve tout le monde. Mais par contre, quand lui disait l'action qu'il faisait, il disait déjà l'action qu'il avait pu faire à une certaine fête, même s'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait complètement, et surtout ce qu'il projetait, et ce que l'on devait nous épouser, vous comme moi. C'est vrai que ça semblait être juste un livre et des écritures, mais la substance qui était à l'intérieur était en train de créer des êtres. Moi, vous,
des êtres pour toujours, éternellement, et ceux qui étaient les plus fervents le ressentaient. Reprenez des messidors, mes chéris. J'adorerais être avec vous pour pouvoir vivre ces états. Quand vous voyez maintenant où vous en êtes, Dieu ne vous disait pas dans Messidor que vous étiez vivant. Maintenant, il te le dit, parce que c'est réel, et que grâce justement au numéro de Messidor, grâce à moi, grâce à tout ce qui s'est fait par les disciples, même si c'était incomplet, il a pu te rendre vivant. Il a parachevé son œuvre. Sers-toi de cet état. Alors, moi, j'appelle venir aussi te parler pour t'aimer, pour te chérir, pour te donner tout mon amour. J'ai beaucoup de tendresse pour toi, car c'est un monde infini que je ressens, avec toutes les possibilités et les ressources que Dieu nous offre. Je sens le merveilleux de la création. Elle m'enchante. C'est tellement magique. C'est tellement exceptionnel. Être sur la terre et maintenant hors de la terre, mais il y a une différence énorme. Pourtant, je me suis donnée sur la terre, j'étais heureuse de le faire. Je m'activais, certes, ce n'était pas toujours évident ni facile. Parce qu'il fallait entraîner les autres. Il fallait se donner les moyens de donner le goût à d'autres, de se bâtir, de se former. C'est toute une œuvre qui a été accomplie. Grâce à cela, eh bien, le monde de la vie s'épanouit. La réalité de la vie qui apparaît de plus en plus. Et j'aime être moi là, rayonnante pour toi maintenant, que tu en connaisses ainsi la grandeur, la beauté, de ce que l'on devient, de ce que l'on aime. Amour. Amour, ma Jacqueline. Mais on a combien de temps devant nous, d'après toi? Je sais pas, il est une année à peu près. Alors. Amour, ma Jacqueline. Je t'aime, ma chérie. Et j'aime que tu sois présente, que tu nous parles bien sûr, mais qu'on ressente effectivement que cette activité, elle est aussi avec toi, parce que tu serais sur la terre, tu nous canaliserais, tu nous donnerais plus de ferveur encore, bien sûr, mais je peux le faire plus encore, parce que vous savez que ce que l'on fait sur la terre, on passe de l'autre côté avec. Et ma mission a été ma vie. Donc, effectivement, je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à ça. Mais vous ne vous y attendiez pas non plus. Eh bien, ce qui se passe doit être effectivement ce que Dieu désirait. Vous savez pourquoi il a engendré la planète Terre, pourquoi il a engendré les hommes, comment il les a suivis pendant 2 millions d'années. Toutes les erreurs qui ont fait qu'il y en a eu des souffrances et des malheurs et des... Bien sûr qu'il y a eu du bonheur, mais franchement, on les compte hein, par rapport à la grosseur du mal qui apparaissait et combien de fois Dieu a dû freiner, empêcher. Sinon, il est vrai que les grandes puissances n'auraient eu qu'une envie, se détruire sans même se rendre compte que l'un et l'autre se seraient détruits à coups de bombes atomiques. Curieux, mais Dieu a laissé qu'il puisse y avoir les moyens même donnés de cet état. Alors là, il a trouvé la solution. Il fait en sorte que vous soyez tellement gêné dans les entournures que vous ne pouvez que trouver votre vraie dimension, celle du cœur, celle de l'esprit et pourquoi pas celle de la lumière. Alors moi, je suis avec vous. À un moment, je vous ai dit, je veux vous aider dans ce que vous faites, je veux être la solution de vos problèmes. Et il y a une solution à avoir. Mais cette solution, vous la connaissez, elle est d'être vraiment fervent. Elle est de vraiment mettre en œuvre ce que vous avez déjà fait, peut-être par intermittence ou beaucoup plus, et puis que cela se voit. Et prenez les systèmes qui existent sur votre terre. Moi aussi, je sais ce que c'est que les réseaux sociaux, je ne m'en servais pas, mais je sais ce que c'est. Et vous pouvez faire en sorte de trouver encore beaucoup plus d'impact, car il y a beaucoup de personnes qui s'en servent et qui font des milliers et des millions de vues pour les gens. Pourquoi pas vous ? Cherchez vos solutions, mes chéris. Je serai avec vous, je vous assure, pour pouvoir vous aider dans cet état. L'amour, mes chéris. Ah, il est perdu. J'ai perdu ma Jacqueline.
J'ai fait une fausse manœuvre apparemment là. Donc je veux. Ben, je vais refaire ça. On recommence. On va faire deux fois, hein. Service de conférence. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Welcome to the conferencing service. If you are the host, press star now. Otherwise, please wait and you will be joined into the conference. Please enter your PIN followed by the pound or hash. If you do not, thank you. There is one other participant in the conference. Please announce yourself. Oui, c'est moi. J'avais fait une fausse manœuvre. Ah bon, parce que je me demandais, quand il n'y a plus Alexandre, de rien. Puis je me dis, est-ce que c'est moi aussi qui suis fermé? Alors j'ai éteint, puis j'ai recommencé. Ah bon, ben moi aussi j'ai recommencé. Donc il faudra que j'enregistre les deux à la fois. Eh ben à ce moment-là, on est illimité. Hein, on peut encore faire 2 heures. On a recommencé. Ah ben oui. Alors, tu en étais avec Jacqueline. Est-ce que tu as... Non, toi tu l'as déjà accueillie. Oui. Donc il nous manque notre René. Laisser la possibilité. C'est merveilleux d'être avec vous, de vous parler, de vous apporter mon amour, car je grandis toujours, je me sens ainsi, mais libre. Libre ainsi d'aller où je veux, de pouvoir réagir comme je le veux. Et dans cette liberté, je produis avec tout mon amour. Voilà ce qui était nouveau par rapport à la Terre, car je n'avais pas encore assez d'amour. Maintenant, de l'amour, j'aime mieux, et je suis très heureux d'engendrer ce qui me plaît et de pouvoir vous en nourrir. Oh, ce n'est pas la béquille que je vous donne, mais presque pour certains. Je voudrais pouvoir vous apporter réellement cette réalité vivante en vous-même, qu'elle soit reçue, aimée. Je sais que certains aiment, donc là c'est facile. Mais avec d'autres, c'est encore lointain, et j'aimerais tant pouvoir ainsi réagir. Et je sais que votre monde en a besoin. Alors, j'aime ainsi parler. Il faut que vous trouviez une possibilité pour que je puisse parler ainsi dans les grands de ce monde, pour les inciter à réagir différemment. Ce serait bien. Ce serait bien de pouvoir trouver la solution, que je puisse, comme je faisais sur la Terre, mais encore plus, avec ainsi tout mon amour, toute ma tendresse nouvelle. J'aime ainsi vous en glisser l'idée dans l'oreille et dans le cœur surtout, pour qu'ainsi il y a quelque chose qui se passe dans ce sens. Alors, je m'enchante de tout ce que je peux faire déjà, à l'avance, de tout ce que je peux réaliser, concrétiser, afin que réellement mon amour puisse agir et vous aider dans tout ce que vous avez à produire. J'aime être celui qui agit. Je suis avec vous, au milieu de vous, en vous, avec vous, et dans cette communion, bien entendu, et j'aime par vous agir. Alors, amour à vous. Mmh. Ah, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mon René. Je vais faire en sorte de faire, ben voilà, que je vais choisir certains de ce monde et je vais t'accueillir pour qu'ils leur parlent, pour que tu leur parles, voilà. Puis on verra si Dieu veut leur dire aussi quelque chose. Mais voilà, je vais me servir de ça. C'est vrai que ceux qui peuvent bouger les choses. Il faut qu'ils nous aident à pouvoir les dire, mais sans haine, rien qu'en apportant vraiment la substance de la vie. Bon, je ne sais pas si c'est exprès, mais effectivement, on n'est plus limité par le temps, là. Hein. Donc la communion, elle peut avoir le temps que l'on veut. Bon, elle va au moins être ce qu'il faut, c'est déjà bien. Alors mes chéris, moi effectivement je veux toujours me faire connaître plus, parce que plus on est connu, plus on est apprécié, plus on a de puissance. Et j'ai jamais cherché ça sur la Terre. Je cherchais pas la puissance.
Alors, je ne cherchais pas la puissance, je ne cherchais pas l'amour. Qu'est-ce que je cherchais? Ben, j'essayais de faire ce que Dieu me montrait. Il fallait qu'il y ait des consciences qui s'éveillent. Il fallait qu'il y ait des présences qui se manifestent. Et moi, je me manifestais en tant que présence. Bon, ceci, c'est le passé. Effectivement, lorsque l'on n'a plus de corps, on ne peut même plus parler comme ça. Parce que je vous assure qu'on en a un autre. Je peux me déguiser, je peux me donner n'importe quel aspect si je veux faire rire quelqu'un, mais ce qui est important, c'est ce qu'on est devenu en nouvelle substance, parce que c'est une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance, c'est pas celle qui nous oblige à réapprendre à marcher, à refaire du vélo, à avoir une croissance. C'est obligatoirement la substance divine, celle que j'avais reçue à ma naissance, comme vous l'avez reçue vous, qui fait que je peux maintenant choisir dans cette substance. Parce que je sais, alors que je ne savais pas quand j'étais nourrisson, que j'étais né pour être éternel. Et même, vous savez, l'éternité, si vous en dites le mot, elle vous échappe. Parce que c'est un futur et que le futur n'existe pas. Dieu ne connaît que le présent. Dans le présent, il vit tout ce qu'il est, et dans le présent, il t'offre de vivre tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tout ce que tu es. Il faut que nous parlions quelquefois plus longuement, effectivement, dans les sacrements, parce que ceci sera retransmis. Vous avez maintenant la dimension, on ne va pas dire de l'esprit, mais vraiment la dimension de l'être, parce que vous êtes René. Vous êtes René. Comme moi j'ai dû partir de la terre, vous êtes encore sur la terre, vous entendez ces sacrements, vous pouvez transmettre ça à votre famille, à des amis, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et le monde a besoin de cela, puisque ce qu'il faut, c'est vaincre, entre guillemets, l'indifférence des hommes par rapport à Dieu. Alors la plupart du temps, il faut déjà qu'ils chassent ce qu'ils croyaient, parce qu'ils ont bien vu que ça n'a pas porté fruit, et que qui, à l'heure actuelle, dit le nom de Dieu, aussi bien par les journalistes, les hommes d'État, non. Il est sorti de votre monde par votre propre volonté, par votre propre désir, par votre propre besoin. Et les disciples, d'abord il y en a beaucoup qui ont dépassé le stade de pouvoir être encore sur la terre. Et puis ceux qui sont sur la terre, est-ce qu'ils font vraiment ce qu'il faut faire? Donc, vous entendez. Et puis transmettez aux disciples, transmettez à ceux qui existent encore, qui ont été tellement nourris de divinité comme je l'ai été. Faites en sorte que la lumière puisse déjà les traverser, qu'ils sentent qu'ils sont vraiment toujours éclairés. Et que cet éclairage doit être une luminosité pour les autres. Je vous aime, mes chéris. Je vous aime tous. Un mot, mon René. Moi, votre Dieu, vous nourrir du présent. Bien sûr, je suis le présent en permanence pour toi. Et j'aime que tu le ressens, que tu découvres. Donc le temps s'allonge, c'est l'instant où tu vis le présent. Tu ne penses pas au futur, tu ne penses pas au passé, tu vis, tu es. Et j'aime que tu ressens cet état. Que vraiment tu aies soif et tu aies besoin d'engendrer en toi un tel mouvement de cœur. Tu puisses ainsi te sentir dans le bonheur d'être, dans la certitude que là, en toi, tu as tout à l'instant présent. Alors déjà, dans cette prière, tu vas nommer les deux dernières phrases de notre Père pour comprendre que je suis aussi ton Père, que là, tu dois vouloir comprendre que je veux que vous soyez tous donc unis. Vous êtes tous mes enfants. Vous devez vous unir profondément. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelque religion que vous ayez, tout cela doit s'unir dans l'unité profonde de mon amour. Tu épanouis, Manoui, joyeux, joyeux, ton ton cœur cœur dans dans le le bien, bien, faisant faisant un un pur pur foyer foyer de de toute tout
Tout à votre fait. Père et cela là. Est. J'aime que tu t'enchantes ainsi de ces ressources, de les possibilités que je t'offre. Tu le vois, elles sont pour toi la réalité infinie. Je n'ai pas de limite, je ne t'en impose aucune, seulement le bien. Que tu veuilles le bien, que tu veuilles l'amour, être avec moi, en moi, l'aimer plus que tout, ce n'est pas une exigence anormale, parce que c'est la nature même de l'amour. De me choisir puisque je suis l'amour et que tu deviens à ton tour amour, et que tu apprends à aimer aussi autour de toi, à aimer réellement, avec passion, avec bonheur, avec joie et enthousiasme, pour comprendre qu'alors tu vis. Tu es la vie même en toi, puisque je suis en toi. Nous sommes alors unis, liés. Et tu sais alors que tous tes frères, tous ceux qui sont autour de toi, sont tes frères et sœurs, bien entendu. Mais j'aime ainsi que tu ressentes en toi cette absolue nécessité de tout transformer sur ta terre pour justement élaborer ces liens affectueux, aimants, qui te protègent d'ailleurs de toute difficulté, parce qu'alors, tu es uni dans le bonheur de savoir que l'autre, celui qui est face à toi, forcément heureux de t'aimer, heureux de t'entendre, heureux de réagir lui-même à son tour pour d'autres, et ainsi de suite. C'est vraiment là le naturel qu'il faut avoir. Il n'y aurait aucune peur, aucune crainte. Alors j'aime qu'enfin cessent vos tourments inutiles dans le besoin maintenant de comprendre que la vie est belle, merveilleuse, que tu as que la vie à choisir, que la vie à comprendre et à entendre. Alors n'écoute pas ceux qui te disent des choses mauvaises. N'écoute pas ainsi ceux qui veulent ton mal. Je veux que tu écoutes en toi la vie. Ceux qui veulent ton bien, c'est moi. Moi avant tout. Un mot, mon chéri. Eh oui, mes chéris, vous rendez compte? Juste parce que vous avez un sacrement, comme déjà vous-même vous êtes changé. Vous n'y croyez plus à ce qui se passe, parce que je remplis toute l'atmosphère, je remplis toute ta matrice du bien, de la vie, de mon amour, de ma présence. Tu n'as besoin de rien d'autre. Après, tu vas mettre les choses en œuvre, mais tout à l'heure, et tu ne sais même pas comment. Par contre, là, tu as ma présence. Et moi, je m'épanouis en toi. Et je suis heureux. Mon bonheur d'être est en train de se dessiner. Et il va courir sur les ondes ensuite. Alors qu'il y a tant de choses qui courent, qui sont négatives, inintéressantes, celles-là, je t'assure, ce sont des traits de lumière. Parce que tu es présent. Parce que depuis maintenant des mois et des années, tu as conquis cette valeur de pouvoir être transmissible, de pouvoir être tellement heureux de vivre ces sacrements. Normalement, tu devrais inviter d'autres personnes à rentrer sur ces sacrements, qu'ils restent ou qu'ils ne restent pas, mais qu'ils savent que cela existe et qu'ils peuvent y revenir. Tant que tu es là, tout peut toujours se faire et se multiplier. Tu sais combien j'aime la multiplication. Je l'aime en moi, puisque on ne perd pas ses parents, on ne perd pas ses grands-parents. Si c'est plus loin, c'est qu'il y a de l'affection encore sur la terre pour quelqu'un. Et je t'ai parlé de ceux qui t'ont touché, de ceux qui t'ont émerveillé quelquefois. Mandela, tu ne peux que apprécier. Être émerveillé et te donner des leçons. Enfin, je te donnais des leçons parce que cet homme était un homme comme les autres, mais les conséquences de ce qu'il vivait pouvaient permettre effectivement un ressort, un rebond. Et c'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, quand il a été libéré, il a pu aider réellement son peuple parce que sa philosophie transcendait tout ce qui existait. J'aime que ta philosophie transcende tout ce qui existe, que tu aimes en cet instant
qu'on soit vraiment ensemble. Tu viens d'avoir les êtres de lumière, les êtres de mon foyer. Et là maintenant, tu reviens à moi. Oh, tu ne me quittais pas, c'était impossible, parce que le sacrement est un et continue. Mais tu cherchais à les avoir, eux. Et j'aime cet état, puisque j'ai engendré l'amour pour que vous connaissiez, que vous appréciez, et que vous deveniez vous-même des présences d'amour. Et là, quand tu es si près de moi, en ayant le miracle du Verbe, car tu ne choisis pas tes mots, les phrases se formulent, se dessinent, apportent des sentiments, apportent une valeur, et la valeur ultime qui est en train de se créer, c'est toi. Après, ce n'est plus pareil. Le sacrement te donne tout. Le présent est rempli. Il est rempli de moi, de ma présence. Et j'aime que tu la ressentes, que tu vives ce plaisir d'être dans la lumière. Pour que tu la deviennes, si tu commences à avoir les bribes de la lumière, obligatoirement cela va se voir. Et il faut que tu t'habitues à prendre le pli du rayonnement, te poser la question, quand tu es en train de parler à quelqu'un, est-ce que je suis en train de rayonner? Et moi je vais te dire, mais c'est tout simple, quoi que tu dises, même si tu parles de choses terrestres, ressens ma présence. Et je te dirai les mots, les phrases, je les formulerai à ta place, et non seulement la personne aura la bonne compréhension, mais elle ressentira que tu es quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de spécial, dont il a besoin. Et il voudra te lire, il voudra savoir ce que tu connais, comment on te connaît, pourquoi tu agis de cette façon. J'aime, mes chéris. Voyez que tout ce qui est l'amour, le bien, la lumière, est en train de prendre sa place dans ce sacrement. Et vous savez ce que j'aimerais ? C'est que tu arrives à garder cela toute ta journée parce que tu le multiplies, tu le diversifies. Est-ce que tu as entendu tout au début de vouloir, quoi que tu fasses, ressentir ma présence ? Tu sais, dans ma manifestation, ce que je disais, vous disiez toujours, oui, je suis d'accord. Et moi, je vous disais, mais tu n'es jamais d'accord avec moi. Éprouve-moi. Vis ma présence, ressens-la, quoi que tu fasses, tout sera bien fait, plus vite, parfaitement, dans le sens de ce que tu voulais. Et tu vas être vraiment heureux. Amour, mon chéri. Alors, dans cette communion de l'esprit, tu prononces ces paroles que j'ai écrites pour toi. La valeur, la richesse infinie du Verbe, de cette réalité que j'ai donnée pour que tu la vives, que tu aimes la prononcer, la développer en toi, la voir en toi totalement, que tu deviennes ainsi un être d'amour toi-même. Alors je le dis tout ton cœur, c'est tout ce parcours, ce chemin que je t'ai fait tracer, qui te mène maintenant à cette conscience que tu en es aujourd'hui. Eh bien, je veux épanouir cela. Épanouir toutes ces rechutes, toutes ces richesses. Parce que maintenant, la lumière doit briller partout. Elle doit être la réalité. Tu as voulu qu'elle soit, je dis ça, à la préfète, là où Marie s'est manifestée, bien sûr. Cela doit être normal. Que la lumière rayonne là où je me suis manifestée. Et je veux qu'elle rayonne dans le monde entier, partout. Alors, veux-le avec moi, vivons-le ensemble, choisissons-le ensemble, et tu verras combien les choses vont s'ouvrir. Le ciel immense va s'ouvrir pour toi et pour eux. Mmh. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes. Tu m'aimes. De tout ton cœur. De toute ton âme et par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi,
Tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde, à jamais pénétré de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Naturel de l'amour, de tout ce que je t'apporte, je fais croire en toi, tu as tous les éléments pour vivre, être heureux. J'aime ainsi me donner. Et donc là, j'apporte par cette bénédiction, cette fécondation indispensable. C'est ma joie de fécondateur. J'en nourris la terre entière, j'en nourris chacun, j'en nourris cette communion totalement. Cela est fécondé et donc existera à tout jamais. Crois en cela, veux-le, aime cette croissance. Grâce à cette fécondation, il y a cette croissance en toi. Alors choisis, fais les bons choix qui permettent cette fécondation en permanence. Et veux que pour ce qu'aime, il y ait une réelle fécondation en toi. Ma lumière ainsi se diffuse. Mon amour agit en même temps. La vie est là, et je féconde. De tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Le rayonnement commence. Vous allez tous bénir, et vous qui allez entendre un peu plus tard, vous allez le faire. Et je vais vous redonner, sur votre système Instagram que vous connaissez, la prière de Journal d'un guérisseur. Elle a déjà été écrite, vous pouvez la lire, vous pouvez l'imprimer, et vous pouvez vous en servir. Et faites-le. Commencez à faire des soulagements. Et moi, je rêve qu'une chose, c'est que tu vois des grandes guérisons et que cela se multiplie. Tu vois, tu ne deviens pas mon disciple. Comme tu es vivant, tu deviens juste celui qui porte les fruits de la vie. Donc cela, tu l'auras à ta portée. Maintenant, vous savez que vous qui entendez et vous qui êtes en train de vivre ce sacrement, vous avez les moyens, effectivement, d'atteindre partout sur le monde les personnes. Avec moi, bien sûr. Parce que je suis un chacun. Et vous commencez à réaliser vraiment la valeur de n'importe quel enfant qui est né. Alors je sais bien qu'il y a eu des lois, qu'il y a eu des femmes qui ont eu l'impression qu'elles avaient atteint le summum en faisant que les personnes puissent choisir d'avorter. Mais c'était un très très faux fuyant. C'était vraiment une incompréhension de la vie. Et elle est passée pour quelqu'un d'exceptionnel.
Je ne vais pas vous dire ce que moi je pensais de cela. Mais vous étiez dans l'état de croissance où je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais avec vos sensibilités qui avaient été dévoyées pour beaucoup. Donc maintenant, vous avez la notion de ce qu'est la vie. Et puis c'est vrai que de plus en plus, une personne qui va mettre au monde son enfant va avoir tellement conscience, même s'il n'était pas désiré, de voir entre les mains un futur Dieu. Je vais insister maintenant là-dessus. C'est bien plus précieux que tout le restant. Même ceux qui essayent quelque chose, d'empêcher quelque chose. Non, c'est de prendre conscience que l'enfant qui est né, c'est un futur Dieu. Il n'a pas d'autre alternative. Il est vivant par ses parents, il est vivant par moi, il est vivant pour toujours. Et tout va être différent. Ils auront toujours une croissance depuis tout petit, mais ça ne sera pas la même. C'est pas possible. Et d'ailleurs, vous le voyez, on le dit. Les enfants, bienvenus, mais sont bien plus éveillés que ceux de 20, 30 ans, 100 ans en arrière. Bien sûr, je les anime. Et à un moment, sur la Terre, j'avais les possibilités de ne sauver que des enfants, mais pas les adultes. Alors maintenant, j'ai sauvé tout le monde. Et plus que cela, j'ai fait en sorte que vous soyez vivants pour l'éternité. Prouvez-moi que vous le savez. Montrez-moi ce que vous avez envie de vivre. Dans vos familles, c'est tellement important. Je vous ai expliqué ce qu'était la famille, c'est mon fil rouge. C'était obligatoirement là que pouvait rester, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont ensemble, ou qui ont encore de l'affection, même s'ils sont éloignés. Et c'est effectivement ce dont j'ai besoin pour qu'il y ait toujours cette forme d'amour qui était avant l'amour de la créature humaine et qui est maintenant l'amour de ceux qui sont vivants. Donc dans vos familles d'abord, guérissez-vous entre vous. Bénissez-vous, nourrissez-vous. Pourquoi vous ne faites pas encore une sorte de bénédicité, de bénir ce que vous ingurgitez, ce que vous mangez au moment où vous réunissez? Il est vrai que quelquefois, quand vous mangez, vous ne vous réunissez pas beaucoup, et que c'est dans des lieux où il y a du bruit. Bien, apprenez à entrer en vous, apprenez à rentrer en moi, à me ressentir, à éprouver que vous n'êtes plus dans le même monde, que la vie n'est plus le même monde. La terre était une pépinière d'âme. Vous êtes déjà maintenant une âme, puisque la vie est en vous. La terre n'a plus besoin d'être une pépinière. La terre maintenant veut voir les actes des vivants, et tout va être en concorde avec ce que vous désirez depuis longtemps. Mais vous le voyez, vous n'y arrivez pas. Vous avez toujours ces immenses poubelles dans la mer, vous avez toujours le fait de pouvoir tuer des animaux qui n'ont rien demandé. Et vous pouvez l'arrêter. C'est vous. Avec la puissance de l'être, avec la puissance de l'esprit, avec la richesse d'un vivant, qui sait où il va, comment il y va, et avec ma présence, puisque je ne rêvais pas de ce qui se passe. Amour, mes chéris, bénissons ensemble. Moi, je féconde à nouveau pour tous. Mais toi, tu sais bénir. Je l'ai fait par toi. Tu as vu des guérisons et certainement des miracles. Donc tu peux bénir. Et cette bénédiction, c'est non seulement ce que je dis moi, puisque je dis bien, mais c'est aussi ce que tu vas bien dire toi aussi. Veille à cela, mon chéri. Et je n'aime qu'une chose, c'est te féconder. Parce que cet acte, c'est moi qui peux le faire. Très tendrement, mes chéris. Je féconde à nouveau. Et toi béni, nous bénissons, je féconde, de tout, notre amour, de toute notre lumière, et cela, amour, mon chéri. Amour, Roland. Oui, et comme il n'écoute pas sur Internet,
La communion de la prière de enfin, la communion, la prière de guérison, tu peux pas la mettre aussi sur YouTube? Elle y sera sur YouTube. Parce que si je la mets sur Instagram, obligatoirement quand j'envoie sur YouTube, il y a les textes. D'accord. Il y a les textes aussi. Il ne faut pas oublier quand vous êtes sur YouTube que vous pouvez entendre effectivement le dernier sacrement. Dessous, un peu dessous, il y a marqué. Qu'est-ce qui est marqué au fait? Il y a juste un mot, c'est plus. Je crois que c'est ça. Oui, il y a marqué plus. Et il faut cliquer dessus pour avoir tout le texte qui est mis en place. Tu as compris? Oui. Hein? Il faut cliquer parce que sinon, si tu ne mets pas plus, ben tu n'as pas le texte. D'accord. On a droit à 5000 mots. La plupart du temps, la plupart du temps, je mets 8000, je mets 3000. Hein? Donc il y a vraiment de quoi se nourrir. Mon chéri, quel beau sacrement. Et en fin de compte, j'ai. Donc, moi, ça va être un peu plus de travail parce qu'il va falloir que je mette les deux communions sur le même. Avec les deux liens. Ok, c'est pas grave. Voilà. Alors, il fait beau chez toi? Un petit brin de soleil léger, léger. Pas trop chaud encore, hein. Nous, c'est incroyable. Ah ben oui, il fait pas très chaud, ça c'est sûr. Mais par contre, nous, on a toujours un beau ciel bleu, des nuages blancs. C'est beau comme Ah tout. oui, non, les nuages encore. C'est la Provence. Bon. Bon, alors, moi, il faut que Bon, bah, je vais faire en sorte de demander, ou alors tu peux le faire. Tu sais écrire un mail, oui, non? Bon, alors je vais demander à ma Catherine qu'elle puisse te le. Tu veux que je te redonne mon mail, t'as pas fait une erreur, parce que j'ai jamais reçu ton texte. Tu veux que je te le redonne? Alors attends, je vais le vérifier parce que normalement je l'ai. Je regarde. Mais là, c'est bien ce que tu vas recevoir, tu auras tout ce qui est les chocs du jour. Alors. Ça, le sien gelé, pas de problème. Est-ce que je l'ai mis à ton nom ou à ton prénom? Non, je l'ai mis à Marie-France. Mais tu mets mon prénom, mon nom, sans aucun trait ni. Je vais te le lire. Je vais te le lire, il a l'air simple. C'est Marie-France Réti, tout accroché, en petites lettres, @gmail.com. C'est le meilleur. Mais peut-être qu'en fin de compte, je t'ai pas envoyé ce que je voulais Oh t'envoyer. non, je sais pas. Parce que sinon. Donc, bon, ben, je vais faire le nécessaire pour que tu reçoives de Catherine. Ouais. Comme ça, tu auras. Si tu veux lire la lettre de Xavier Bazin qui l'a écrit à Macron suite à son discours, lundi. Oui, il faut aller sur quoi? Tu mets, attends, il y a plusieurs choses que des fois, tu mets Xavier Bazin, santé, corps, esprit. Normalement, tu dois pouvoir l'atteindre. Alors, ça commence par Xavier Bryan, 13 juillet 21. Cher ami de la santé, chantons en chœur en cliquant ci-dessus. Je m'inscris à la lettre d'information santé corps esprit. C'est ce qu'il propose. Tu n'es pas obligé de t'inscrire, mais tu peux t'inscrire, c'est gratuit, donc ça, tu risques rien. Hein, et tu as cette lettre qu'il a écrite pour Macron. Alors attends, je marque Xavier Bazin, parce que j'avais déjà marqué quelque chose de lui, coronavirus. Donc Xavier Bazin. Ah oui. Alors là, tu l'as, je suis sûre que tu l'as là. La lettre santé corps esprit, c'est plus difficile, je crois, pour l'avoir. Je ne sais pas si tu l'auras là. On verra. Santé. Mais là, tu mets, je pense, Xavier Bazin,
Et puis après, santé, corps, esprit. Et donc, au début, je crois que tu marques, tu verras, 13 juillet 21. Cher ami de la santé, chantons en cœur, tu verras. 13 janvier 13 juillet, pardon. Ah bon. Juillet. 13 juillet, oui, parce que là, je ne comprenais plus. 13 juillet 21. Parfait. Alors, tu as quelquefois une liste de... tu peux avoir une liste de d'autres lettres, parce qu'il fait des lettres régulièrement, il en fait, je crois, par semaine. Hein. Tu peux en avoir d'autres avant, mais tu continues, tu avances, et puis tu vas voir, tu vas trouver ton lettre. Hein. Mais j'enverrai des hashtags aux autres. Ah oui, ça serait bien, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein. J'ai déjà envoyé à Xavier Bazin, je ne sais pas si... s'il a reçu, s'il est devenu abonné, je ne sais pas. Mais j'y ai déjà envoyé plusieurs fois. Ah ouais. Il écrit beaucoup de livres, il est écrivain aussi. Il écrit énormément de livres. Hein, et donc, il y a des choses que j'ai essayé de voir. Ce qu'il a fait, c'était les livres, présentation de ses livres. Il écrit beaucoup, mais c'est quelqu'un dans sa lettre là, qu'il a fait à Macron. Je lui dis qu'il lui dit la vérité, hein, tout ce qu'il a à dire. Mais il le dit agréablement, avec beaucoup de souplesse, de voilà, c'est net, c'est précis, c'est clair, c'est bien dit. Voilà. Je pense que je t'avais lu la dernière chose que j'ai reçue de ma chère Catherine. Ça s'appelle L'informateur. Je te l'ai lu, ça ? Ah non. Nous savons que vous menez une guerre contre le vivant. Nous savons qu'à l'automne, vous allez voter la loi 3714. Nous savons que votre but est de nous contrôler. Nous savons que vous êtes coupable d'un crime contre l'humanité. Nous savons que jamais nous ne nous soumettrons, jamais. Nous savons que la vérité l'emportera sur vos mensonges. Nous savons que tout ça n'est que temporaire. Nous savons que ce que vous prévoyez pour nos enfants, on ne vous laissera pas faire. Nous savons que notre union sera votre chute. Nous savons que les menteurs paniquent parce qu'ils ne pourront plus cacher longtemps le scandale des vaccins. Nous savons que les effets secondaires graves sont considérables. Il paraît dans l'Europe, il y a déjà eu 130 000 morts à cause des vaccins. Donc nous savons qu'ils génèrent des variants. Parce que les variants ne sont que parce que le corps cherche des solutions. Nous savons que cette crise n'est pas sanitaire, mais totalitaire. Nous savons que vous avez tué les anciens, truqué les chiffres, empêché les gens de se soigner. Nous savons que vous asphyxiez nos enfants pour rien depuis septembre. Nous savons que la vérité l'emportera en dépit de l'effondrement intellectuel et moral à l'œuvre. Tous ceux qui lui auront fait obstacle, se rendant complices par leur manœuvre ou leur silence, de millions de morts évitables auront des comptes à rendre. Nous savons que vous savez que les masques et confinements ne servent à rien, que des traitements existent et que ce virus n'est aujourd'hui pas plus dangereux qu'une grippe et que les vaccins tuent. Nous savons qu'ils nous mentent depuis le début, ces politiciens et ces télétoubibs. Nous le savons et nous savons que vous le savez aussi. Voilà. Oh ben dis donc, qui c'est ça ? Alors, il se nomme l'informateur, mais c'est toujours envoyé par ma chère Catherine. Mais c'est qui ça qui a fait ce qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas demandé à Catherine qui c'est. Ah ben voilà, ça vient. Catherine, ah ben Catherine va chercher ça dans ses sources. Hein. Ouais. Catherine Talbot. Donc je vais lui demander. Nous savons, mais les enfants, là, il y en a plein qui se sont fait vacciner, là. Hein. Il y a déjà beaucoup de dégâts. Hein. Je sais. Ah oui, mais l'homme tarde à se relever, maintenant il s'est relevé. Il faut qu'il regarde dans la bonne direction. Ouais. Mais on va l'aider. Bon, ben, c'est quelque chose aussi de base, hein, parce que quand même, lui aussi, il marche dans le sens. Hein, et donc, ce qu'il fait, c'est bien, avec ses connaissances. Hein, il dévoile beaucoup de choses aussi. Hein, il ne va pas dire ce qu'il y a dans les attaques, c'est peut-être pas où il veut pas. Mais en tous les cas, il dévoile beaucoup de choses que c'est rien du tout à guérir. C'est aussi simple qu'un rhume, pratiquement. Bien sûr. Enfin, voilà, donc... tâche de trouver, si tu ne trouves pas, tu me rappelleras, mais tâche de trouver, tu verras d'ici dimanche. Entendu. Alors, tu as compris. Arrive. Tu
Dis-moi, tu as compris? Arrive à garder la communion dans tout ce que tu fais, à n'importe quel moment. Là, on est en train de parler de choses qui peuvent sembler plus terre à terre, mais ne pas perdre sa présence une seconde. Ouais. C'est ce que je fais, moi, et j'y arrive de plus en plus. Ouais. Bon, nature de transfert. Tchou, 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 je te m'envoie ça. D'accord. Amour, ma allez, chérie. À bientôt. À bientôt. À toi. Alors là, c'est coupé. Ça y est. Donc, il y aura deux trucs à enregistrer. C'est le beans. Mais comment faire sinon? Hein? Tu t'es raté, ma chérie. Écoute, c'est peut-être une bonne chose. Nous savons. La prière, pas la première. Oh non. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? Qu'est-ce qu'il y a, mon poulinou? Non, on sort pas encore, hein, il est que mort. Voilà, ma poussine, chérie. Bonjour. T'as tout entendu, là, je pense un peu. C'est bien que tu sois là, tu vois. Tu l'es pour que notre amour vive, et tu l'es pour que l'amour de Dieu vive et vive à toi. Oh, toi, mon chéri. T'as vu maintenant comme ça que la vie, c'est plus le verbe. C'est ma présence. Et je peux t'assurer que tu es encore enchanté, mon fils. Bon, ça c'est quoi? C'est évident, hein? Pourquoi tu ne te remets pas debout? Tu sais pourquoi? Non, 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 tu ne calmes pas, tu ne calmes pas. Tu vas là. Ah, ça tient pas, tout ce que tu peux en. Oh putain, attention. On va attendre. Pas branché peut-être. Ah, s'il n'est pas branché, alors il est pas mal.
vie. Peut-être parce que j'avais... Non, là, il est chargé complètement, mon Dieu. Bon, je pense, hein. Je pense que quand tu l'enlèves, hein. Ça y est, je peux faire ça. Je peux peut-être terminer. Là, maintenant, il est chargé, là, hein. Lundi, fais-moi ton maître, hein, s'il te plaît. Non, tu vois plus du tout. Arrête! C'est fini, oui. Voilà. Alors, fini. Chut. Lundi.
peuple. Hein. Non, c'est pas notre tienne, c'est vrai. Ça y est, c'est fini. Oh, oh. Tu fais peur, tu sais. Mais ouais. Allez, hop. Bon, ça, ici, dedans, à droite. Quand même, encore un train qui passe. Ah ouais, mais j'ai pas arrêté la narration là.